Ben Fine contre Ward. Plus de semaine, dix buts. Fine tire. Ennemis! Ok, Ben Veilleux. Veilleux, belle montée. Coupe par la plaisir. Il a la vue! Gilbert! Veilleux! Ben, encore une fois, il va de la même fin. Et cette fois-ci, il a marqué. Olivier! C'est. Tire! C'est. Échappé! Dans le quartier, il a la vue! Quel arrêt! D'Étienne Marcou! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Christian Ouellet dans un premier temps, donc des Marquis de Jonquière. Et un petit peu plus tard là, dans l'émission, on va recevoir aussi Hubert Poulin. Dans le fond, ça va être un pré-enregistrement là, pour Hubert Poulin. On va faire jouer un petit peu plus tard. Dave, comment ça va? Ça va bien. On a une semaine chargée. On a travaillé hier pour le podcast, justement, quand tu parlais d'Hubert Poulin. Dans le fond, pour expliquer un peu au niveau de Hubert Poulin, quand on l'a contacté, il était super intéressé à faire le podcast. Par contre, il n'était pas disponible les mardis soirs parce qu'il donnait des cours de boxe qui finissaient quand même assez tard. Donc, on a fait un petit segment là, d'environ une trentaine de minutes préenregistré avec lui hier soir. Donc, on va vous présenter à la fin du show. Donc, pour ceux qui veulent rester jusque-là, ben, ils pourront entendre Hubert Poulin. Sinon, ils pourront le réentendre quand ils veulent, soit demain ou n'importe quand. Mais c'est ça. Donc, merci à Hubert qui était venu nous rendre visite hier soir là, pour ça. Salut tout le monde. Déjà, les salutations d'usage qui sont dans le chat. Stéphane Bailey qui dit salut, messieurs. Danny Charette qui dit salut, les boys. Yann Gaudreau, bonjour, messieurs, je vous suis. Martin Delan aussi qui vous salue. Donc, yes, salut à tout le monde. Yann qui dit justement, c'est ça jusqu'à la fin de l'émission. c'est bon, ça, on aime yes. ça. J'espère que vous êtes en forme. Honnêtement, c'est une fin de saison là, mouvementée dans la Ligue. Puis on en avait parlé aussi avec Michel Godette il y a quelques semaines, qui parlait des matchs serrés. Les matchs serrés, le classement est serré. C'est du jeu, là, vraiment. C'est dur pour les arbitres d'arbitrer, je pense. Ces parties-là, là, pas dans le sens qu'ils font nécessairement des mauvais calls, là, mais dans le sens qu'il se passe tellement de choses sur la glace, c'est tellement serré. Les équipes qui sont nées à nez. Là, puis je pense que d'ici la fin de la saison, ça va être quasiment une boîte à surprise, savoir qui va finir premier, deuxième, troisième, quatrième au classement. Ça commence à se dessiner parce que la première place est loin d'être décidée, mais c'est serré là, depuis. Mais du côté de. Il y a quand même trois équipes qui ne peuvent plus espérer finir premier. Là, les 3L, les Bâtisseurs et les Éperviers, pour eux, on peut oublier la première place, là, mais sinon, les quatre autres équipes sont encore en jeu. Puis même si les Bâtisseurs et les Éperviers ne peuvent plus finir premier, ils peuvent encore monter beaucoup dans le classement et finir dans la première moitié et avoir encore l'avantage de la glace en première ronde. C'est sûr que pour ces équipes-là, ça va prendre de l'aide des autres équipes là, qui perdent un peu d'ici la fin de la saison parce qu'il ne reste vraiment pas beaucoup de matchs, mais il n'y a rien qui est décidé encore là, dans le classement, même que l'assurancier est maintenant rendu à 2 points des pétroliers avec un match en main. Puis, je regardais le ce qui reste de l'horaire dans la Ligue nord-américaine de hockey. Puis, il y a un match vraiment intéressant qui est le dernier match de la saison, un samedi soir à Thetford Mines, qui est le seul match de la soirée, qui est le dernier match, qui est un match entre les Pétroliers du Nord et l'assurancier de Thetford Mines. Ça serait vraiment, vraiment écœurant que le dernier match de la saison, ça soit le match pour la première place, qui, en plus, est une autre reprise de la finale de l'année passée. En regardant, ça se décide à la toute fin. Ah oui, ouais. ça serait fou. Puis donc, ça va être à surveiller si les deux restent assez proches dans les deux fins de semaine qui restent. Mais tu sais,
Il reste 4 matchs à Laval puis 5 matchs à Thetford Mines. Fait que, il risque d'être proche quand même rendu là. Donc, ça serait... Je sais pas c'est qui est en charge de faire les cédules dans la ligne américaine, là, mais ça serait un coup de génie de finir ça de cette façon-là. Donc, ça va être à suivre dans les semaines qui suivent. Mais ouais, vraiment, du hockey... relevé qu'on a droit, il y a eu 7 matchs en fin de semaine. Chaque match a eu quasiment sa propre petite histoire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc, vraiment, on va y aller avec quelques petites nouvelles, justement, parlant de jeux serrés. Je parlais des arbitres. Il y a eu des suspensions, Dave, en fin de semaine? Yes, il y a eu quelques suspensions. C'est passé beaucoup d'actions. Même qu'il y a des suspensions qui sont déjà terminées, qui ont eu lieu vendredi. Ah ouais? Donc, Dave Hamel et Gabriel Pockenwoodrow avaient été suspendus un match respectivement pour les gestes qu'ils avaient commis. Ils ont déjà purgé leur match. Guillaume Beaudoin, lui, devra purger 2 matchs. Guillaume Beaudoin qui, dans le fond, a tenté de se faire justice lui-même. On se rappelle, là, il avait été blessé par Brendan Hamelin. Le 22 décembre dernier, avait manqué un mois et demi d'activité à cause d'une commotion cérébrale. Donc, voulu régler ses comptes avec Brendan Hamelin, qui n'était pas intéressé. Mais en même temps, Brendan Hamelin faisait déjà 2 fois qu'il se battait avec des joueurs des Éperviers pour répondre de ce coup-là. Fait que, on peut peut-être le comprendre, mais là, c'était le principal intéressé qui voulait son tour. Puis, c'était quand même une séquence drôle parce que Guillaume Beaudoin joue encore avec une grille, puis quand il est arrivé vers Brendan Hamelin, il a littéralement enlevé sa grille pour régler ses comptes. Fait que, en tout cas, il devra purger 2 matchs. Il y a un préposé à l'équipement, même des Éperviers, Philippe Galipeau, qui a été suspendu 4 matchs pour avoir crié après les arbitres. Je ne sais pas c'est quoi qu'il a dit, mais je sais qu'il n'en est pas à sa première offense, donc c'est peut-être pour ça qu'on a donné 4 matchs. Puis sinon, des petites nouvelles de Danick Paquette, sa suspension de 10 rencontres, l'appel pour essayer de faire réduire un peu le nombre de matchs du côté des Pétroliers du Nord aura lieu cette semaine. Donc, j'imagine qu'on devrait avoir une décision finale qui va être donnée probablement d'ici la fin de la semaine, j'imagine. Savoir là, si on réduit un peu le nombre de matchs ou si ça reste à 10. Donc, au niveau des suspensions, ouais, beaucoup de nouvelles à ce niveau-là en fin de semaine. Mm-hmm. Voilà, si on y va plus sur les beaux jeux qui se sont passés sur la glace, les 3 étoiles, 2 joueurs de la Surancia, Dave Labrec, Christophe Lalonde, qui sont 3e et 2e étoile respectivement, qui ont marqué beaucoup de buts. Christophe Lalonde, un tour de chapeau jeudi. Dave Labrec, 2 buts vendredi contre les Éperviers, plus il en a fait un autre contre Rivière-du-Loup samedi. Les 2 buts qu'il a fait contre les Éperviers aussi, c'était des tirs des ligues majeures, comme on appelle. Puis il y a Nathan Larose qui a 8 points, 3 points jeudi, 5 points samedi. Il a participé à tous les buts de son équipe en fin de semaine, sauf un. On pourrait quasiment dire a gagné le match à lui tout seul samedi pour les Pétroliers du Nord. Là. Il a marqué les 2 buts. Quand les Pétroliers perdaient par 2 buts en 3e période, c'est lui qui a marqué les 2 buts pour égaliser ça, dont un à 5 contre 3 qui... déjouer tout le monde sur la patinoire. C'était 3 joueurs, là. Tout le monde sur la patinoire, mais quand même, c'est vous filer à travers tout ce monde-là, faites un but spectaculaire qui risque de se retrouver dans les jeux de la semaine. Donc vraiment, Nathan Larose... c'est continu sur sa lancée, je pense. Est-ce qu'il va gagner recrue de l'année et défenseur de l'année? Il y a des chances. Mm. Donc... Voilà pour les 3 étoiles. Le match en rose vendredi? Oui, le match en rose. D'accord aussi avec Jamie Gauthier dans les commentaires qu'Émile Sanson aurait pu être dans les 3 étoiles la semaine. Il a quand même obtenu son premier jeu blanc en carrière dans la Ligue nord-américaine. Il aurait dû être un candidat. Le match en rose de vendredi à Rivière-du-Loup. Succès sur toute la ligne, vraiment, c'était wow, les images aussi, avec quand les lumières étaient tamisées, tout le monde avec leur cellulaire, c'était vraiment beau. Belle grosse foule à Rivière-du-Loup, vont réussir à gagner ce match-là, une victoire qui fait du bien pour les 3L,
gagné ça 6-4. On a réussi à amasser 10 511 $ pour la Fondation du cancer du sein, qui est le plus gros montant qui a jamais été amassé lors des matchs en hausse. C'était quand même la 8e édition de ce match-là. Donc, vraiment... 1400 personnes qui étaient là présents aussi. Hein. 1400 personnes, la meilleure foule de la dernière, Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup qui ont eu deux excellentes foules en fin de semaine. C'est le fun, tu sais, quand il y a deux matchs collés à la maison, des fois, ça baisse un peu plus le lendemain. Mais il y a quand même eu 1200 personnes le lendemain samedi. Il faut croire que les gens ont beaucoup aimé leur soirée de vendredi, ont voulu y retourner samedi. Mais c'était le fun de voir deux belles foules à Rivière-du-Loup. Puis en fait, il y a eu des bonnes foules partout. Là. C'est sûr que les jeudis à c'est plus dur, là. Fait qu'on peut excuser la foule qui est un peu petite à Laval jeudi, mais sinon, il y a eu des bonnes foules dans tous les arénas de la Ligue en fin de semaine. Il y avait un peu une tempête aussi, je pense, là, jeudi passé. Quand... Ouais, aussi, c'était pas la température n'était pas excellente, mais ouais, ça va bien. Puis de toute façon, Laval avait eu 1600 la semaine d'avant, fait que clairement, c'était parce que c'était un jeudi puis il faisait pas beau. Donc, voilà. Puis c'est ça, le lendemain, il y a eu le retrait du chandail de Mario Rouillard, qui est un ancien 3L dans le temps des années 80. C'est le fun de voir aussi d'en apprendre sur l'histoire des 3L à Rivière-du-Loup, parce qu'on voit que c'est une équipe que beaucoup... un peu comme, mettons, les Éperviers à Sorel-Tracy, tu sais, il y avait le Club Junior dans le temps. Les 3L aussi, ça fait longtemps que ça existe, cette équipe-là à Rivière-du-Loup. Donc, chandail qui a été retiré dans une belle cérémonie d'avant-match aussi. C'est pas mal. J'avais une petite nouvelle qui était sortie aussi aujourd'hui du côté des 3L. Il y avait Tristan Côté, Cazenave, Anthony Gagnon qui vont jouer là, avec le Thunder de Perth en Australie cet été. Donc, c'est seulement cet été. Ils vont bien sûr finir la saison avec les 3L et les séries éliminatoires. Donc, inquiétez-vous pas, partisans des 3L. Et pour faire peut-être une petite liaison avec ça, tantôt on va en parler, là, mais Christian Ouellet, notre invité là, qui va être là dans les prochaines secondes, a déjà joué également en Australie, donc on va pouvoir en discuter un peu avec lui. Ouais, exact. Puis pour finir, vite, c'était le retour au jeu d'Alexandre Goulet vendredi. On l'a appris comme juste après le podcast de mardi dernier, mais il est revenu au but, a marqué un but vendredi pour Telford Mines, puis il n'a rien perdu de ses habiletés. Il a failli faire un but complètement spectaculaire également, que Marc-Antoine Gilina a fait l'arrêt, heureusement, pour se rétracier, mais c'était avec des joueurs défenseurs, c'est spectaculaire, puis aussi des très bonnes chances de marquer samedi à Rivière-du-Loup. Et malheureusement pour les autres équipes, il est de retour, puis il n'a pas perdu de son talent. Puis, dernière petite chose aussi, je voulais dire, Danick Gauthier, qui est le premier joueur à atteindre les 50 points, le plateau des 50 points cette saison dans la Ligue nord-américaine en fin de semaine. Il y avait seulement un joueur qui l'avait fait l'année passée, Maxime Saint-Cyr. Il faut dire qu'il avait seulement eu 28 matchs pour le faire, puisqu'il y avait eu moins de matchs à cause du COVID. Mais quand même, pour un gars qui avait manqué pratiquement toute la saison dernière à cause d'une blessure, de revenir cette saison, puis de connaître une saison comme ça, vraiment... Vraiment chapeau. Puis juste avant de rentrer, Christian Ouellet, juste répondre un petit peu sur les commentaires. Là. Martin Delan qui dit des nouvelles d'Adam Bourque. Ouais, Adam Bourque qui a quitté le match de samedi. Ça va l'air de faire très mal le lancer qu'il a reçu de Nicolas Poulin. C'est un peu plus de peur que de mal dans son cas, dans le sens qu'il n'y a pas de blessure grave. C'est sûr que son cas va être évalué à chaque semaine. Là. Je ne sais pas s'il va pouvoir rejouer avant le début des séries. Mais c'est sûr que les Éperviers espèrent pouvoir compter sur lui en profondeur en série. Mais au moins, ce n'est pas de blessure grave. Mais c'est sûr qu'il est amoché pareil. Parce que la façon dont il se tordait de douleur, c'était pas le fun à voir. Ouais. Puis voilà. C'est tout. Fait ça. Ouais, il y avait des nouvelles à Mathieu Roy. Je pense qu'on n'a pas d'update. L'équipe n'a pas eu d'update. Pas donné non plus. Là, non, suite à sa blessure. Peut-être si le TIF veut faire une apparition sur le plateau. Mais à part de ça, malheureusement, on n'a pas de. Mais tu sais, à 2-3 semaines des séries, je pense que les équipes vont jouer de.
vont jouer de précaution avant le début des séries, c'est sûr et certain. Mm-hmm. Good. Donc, on est prêt à y aller avec notre invité. Ben oui. Premier invité. Salut, Christian, ça va? Oui, ça va, merci. Yes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, merci d'avoir pensé à moi. Ah, ça fait plaisir. Un des attaquants vedettes des Marquis de Jonquière. On ne peut pas passer à côté. Donc, pour commencer, parle-nous juste peut-être un petit peu de ta saison. Comment est-ce que ça va cette année? Les Marquis sont pas mal dans le show de la course avec toutes les équipes, disons. Oui, on a eu des hauts et des bas. Disons que ça a été par séquence. Je pense que dernièrement, il y a eu le changement d'entraîneur aussi. Quelques échanges dans les buts. On a eu beaucoup de blessures aussi. Picard a été blessé un petit bout. Après ça, Paradis est revenu dernièrement. Là. Il est reparti pour deux matchs. Émile Sanson a commencé l'année, revenu. Fait que ça a été beaucoup de hauts et de bas. Mais je pense que dernièrement, là, je dis pas que le changement d'entraîneur fait bien quand même. Là. Bob a fait une bonne job en tant que GM. Puis je pense que là, il avait laissé sa place à Dom, puis à Alain Gardner qui est là. Puis je pense qu'on est en train de bâtir de quoi de solide. Puis ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Là. Mm-hmm. Puis le dernier match, c'était quand même positif, là, une victoire de 3-0. Quand tu es capable de pas donner de but dans cette ligue-là, ça fait 5 ans que je suis dans l'Union américaine, puis des blanchissages, d'après moi, j'en ai vu 2 ou 3. Là, fait que c'est quand même bon là, à l'approche des séries. Là. Parlons-en un petit peu justement les entraîneurs, là, ceux qui sont en place, là, Garner, la pensée, ils sont quand même pas sortis de nulle part. Là. Il y a une transition qui s'est faite. Puis Bob l'a expliqué en conférence de presse, mais de ton côté, comment tu as vu ça? Là, peut-être la passation là, des pouvoirs. Je pense que Bob avait bien préparé ses shows. Ah, ben, juste pour ajouter aussi, du côté des joueurs, je voulais savoir pour Bob Desjardins, est-ce qu'il vous en avait déjà un peu parlé ou ça a été une surprise pour tout le monde? Ben, on s'en attendait un petit peu. Je pense que Bob, là, quand on a changé les propriétaires, ça a été longtemps, là, Marc Boivin, puis Éric Claveau, là, qui était propriétaire des Marquis. Puis là, quand ça a changé, là, il y a quelques années, c'est Bob qui est en arrière de tout ça, qui a regroupé quand même 10 ou 11 grosses têtes quand même au Saguenay là, pour qu'on ait encore une équipe ici, parce que, tu sais, je pense qu'il y avait quand même une date limite pour ça. Puis après ça, Bob il a pris les rênes de l'équipe. Il a rentré Dom l'année passée, si je ne me trompe pas. Puis, tu sais, Bob, il en fait quand même beaucoup là, avec son équipe scolaire. Puis, il y a une équipe aussi au niveau junior de York. Ça fait quelques années qu'il est là. Puis, je pense que là, ça commençait tranquillement pas vite à être big, là, tu sais, à être un peu trop pour lui. C'est sûr et certain que, tu sais, ici, veut pas, on est quand même une région qui est plus éloignée. Tu sais, les Marquis de Jonquière, c'est, tu sais, dans les années à Jean-Michel Bolduc, Gabi Rock, je pense que c'est 2 ou 3 coupes. C'est pas de suite, là. Je pense qu'ils ont eu 2 coupes de suite, mais 3 coupes en 4 ans ou 5 ans. Fait que, les partisans ici sont quand même assez, on pourrait dire, durs, mais ils veulent avoir des résultats. Puis je pense que c'est normal aussi. Puis là, après ça, ben, Dom l'année passée, il est rentré. Puis là, cette année, on le sentait un petit peu. On pensait peut-être que ça allait être dans le temps de Noël, dans la pause qu'on a eue. On a eu 2 semaines, là, si je ne me trompe pas. Puis finalement, ben, mon ami, Bob n'était pas au match. Puis le lendemain, là, il nous a rencontrés pour nous annoncer ça. Mais c'était bien vu par les gars. Je pense que ça a fait du bien aussi à Bob de laisser sa place. Il y en avait beaucoup sur les épaules. Puis il a bien préparé ses choses. Puis Dom et Alain, c'est des gars de... Alain, c'est un gars d'expérience dans la Ligue. Puis Dom, ben, il a coaché du bon hockey. Puis c'est une bonne tête de hockey. Fait que je pense que c'est un bon fit là, pour nous autres. Mm-hmm. Et tu vois qu'il y a ça à cœur aussi parce que justement, il n'y a pas. Il avait préparé sa shot. Il ne voulait vraiment pas laisser ça un peu dans le néant puis s'assurer là, que justement que
et Marquis sont encore... Ben oui, tu sais, Bob, c'est quand même un gars qui a beaucoup d'expérience dans le hockey. Il faisait une super bonne job, il a fait des bons trades, tu sais, avec l'équipe d'expansion, il a essayé des choses, changé les gardiens, il avait quand même beaucoup de pression sur les épaules, puis il avait bien préparé ses choses, puis je pense que ça a tombé à un bon moment, tu sais, juste avant les séries comme ça, quelques matchs pour se préparer avec Dom et Alain, puis c'est tranquillement pas vite, là, on voit les résultats. Parlant de l'expansion, la question est là dans le chat, là, vient de sortir, mais bon, je pense que c'est un dossier qui a quand même brassé un petit peu de choses. Là, ça fait jaser cet été. Ça fait jaser à Jonquière, là, c'était un sujet là, qui a sorti dans les médias aussi. Mais peut-être la stratégie là, qui a été de ne pas protéger Christian Ouellet en se disant que c'est un gars de la place, que l'équipe de l'expansion choisirait pas. Mais de ton côté, là, comment tu l'as vécu, Christian? Ben, tu sais, Bob m'avait appelé avant, m'avait expliqué un petit peu le plan. Puis, tu sais, moi, j'étais d'accord avec ça. Tu sais, je pense que, tu sais, justement, je suis un gars de la région, je suis un gars d'ici. Je pense que c'est important pour les équipes, tu sais, des joueurs qui sont de Rimouski, Rivière-du-Loup, ben, c'est important qu'ils jouent avec le 3L parce que ça attire peut-être des fois, ben, tu sais, c'est 10, 20, 30, 40 personnes de plus dans les Astrales, ben, tu sais, c'est important pour les équipes. Puis, tu sais, là, je comprenais le plan un petit peu. Quand c'est arrivé au début, j'ai dit, bon, ben, tu sais, je reparlais avec Bob. Bob me dit, je vais aller te rechercher, tout ça. Puis, parce que t'étais pas trop stressé, là? De monter là-bas. Tu sais, j'étais à 20 minutes de route, puis là, je tombais à 5h30 environ. Je trouvais ça plate un petit peu, surtout que le travail. Je trouvais ça un petit peu, mais tu sais, là, plus les jours, tu sais, 2, 3, 4 jours, une semaine, là, après ça, je commençais tranquillement, pas vite, à me dire, Krim, peut-être que j'ai joué mes derniers 1000 de hockey, là, tu sais, tu te dis, Krim, ouais, je vais être échangé, mais là, à un moment donné, j'étais plus sûr. Mais tu sais, j'avais parlé avec le directeur général de Montcalm, puis il avait été super correct aussi là-dedans. Tu sais, il n'a jamais manqué de respect. J'étais vraiment content de voir. C'est cool ça, Lacker. Toi aussi, t'es un vrai, yes. On est avec toi là-dedans. Pour revenir avec ça, il a super été correct là-dedans. Je pense qu'il a bien joué son jeu. Quand on regarde un petit peu la saison que Montcalm a, je pense que tout le monde pensait que ça allait être facile de jouer contre eux. Mais tu sais, gars, ils montrent ils ont vraiment des bons résultats sur la glace, puis ils sont durs à jouer contre. C'est une équipe qui est très rapide, ils ont du talent offensif, puis c'est le fun de voir ça. On souhaitait pas non plus que ça n'aille pas bien, puis que c'était juste pour un an, mais gars, je pense que ça peut durer, puis je pense que les joueurs ils aiment ça jouer là-bas aussi. Puis l'échange, finalement, ben, ils ont fait des bonnes échanges, ils sont allés chercher un très bon gardien en étant assez. C'est pas Auger qui est là, c'est... Pardon? Marcou? Ouais, Marcou. Marcou qui est, je pense, un des top gardiens dans la Ligue. Là, il l'a prouvé l'an passé. Marcou Dessel, dans le fond, les deux. Ouais, c'est ça. Non, avec Dessel qui a beaucoup d'expérience aussi. T'sais, Tourigny qui a joué longtemps avec les 3L. Je pense que les 3L l'ont libéré pour justement que... question de respect aussi. Puis, ils ont bien joué le jeu. Puis je pense que ça a été bon pour tout le monde. Mm-hmm. Il a répondu. on voulait parler un peu de ta carrière aussi, Christian, à commencer par le commencement, tes années juniors. Tu as joué quand même loin de chez toi pendant quelques années à Gatineau. Yes. Oui, pendant 3 ans et demi, j'ai joué pour les Olympiques de Gatineau. J'avais joué justement avec Alexandre Quesnel, Mathieu Gagnon, qui sont dans la Ligue, Hugo Laporte. J'avais joué avec quelques gars qui étaient là pendant trois ans et demi. Dans le vieux Bob. Pardon? Dans le vieux Bob. Ouais, dans le vieux Bob. Ouais, nous autres, quand on était là, il y avait des rumeurs que ça allait déménager. Puis on avait commencé une année, je pense, c'est ma deuxième année, qu'on avait commencé, je pense, 10 ou 12 matchs sur la route. Parce qu'on pensait justement avoir des nouvelles arénas ou des rénaux dans l'aréna. Ça ne s'est jamais fait, finalement. Mais... je suis allé l'an passé, justement, il y avait un petit tournoi de hockey là-bas, de cadet, là. Puis, je suis allé voir la nouvelle arena. J'étais un petit peu jaloux, là. Mais c'est vraiment à coup. Je pense que, c'est bien mérité pour la ville et pour les joueurs.
Mais oui, 3 ans et demi là, puis j'ai fini justement que c'était Benoît Gou, l'entraîneur qui était là, puis des très belles expériences là-bas. Là, c'est une organisation de top classe, puis c'est quand même une belle ville à jouer là, pour le hockey junior. Puis dans ces années-là, ben, tu es arrivé juste après la dernière conquête de la Coupe du Président, mais tu t'es quand même rendu une fois en finale de la Coupe du Président avec Gatineau, quand même des bons joueurs dans cette équipe-là, là, Jean-Gabriel Pageau, Nicolas Deslauriers qui est rendu à Philadelphie. Parle-nous donc un peu de ce parcours-là que vous aviez fait en série, parce que vous aviez quand même, sur tout le parcours, là, deux séries que vous aviez remportées en 7 matchs pour vous rendre là, puis vous aviez rencontré la grosse équipe là, qui était Saint-Jean. Donc, c'était quoi un peu les souvenirs que tu as de ce parcours-là en série? Ben, c'était quand même, c'est des moments quand même inoubliables. C'est sûr que quand tu passes aussi proche, c'est toujours dur, là, tu sais, parce que plus ça avance, plus tu y crois. Puis, tu sais, on avait une très bonne équipe. Tu sais, c'était l'année avant moi, il y avait justement Claude Giroux qui était là, qui avait dominé les séries, puis la saison. Puis, quand je suis arrivé, il n'y en avait pas le Baron lui avait 19 ans. Puis, tu sais, on apprend de justement, je vois les commentaires, là, Jean-Philippe Chabot était capitaine, lui est parti. Puis, quand j'avais 19 ans, justement, là, il y avait Nicolas Deslauriers qui jouait à la défense. On avait Hubert Labry aussi, Hubert qui avait gagné la Coupe, justement, lui, c'était son année 16 ans. Lui, il s'était blessé en début d'année au genou. Alors, il n'avait pas joué de la saison, il avait joué peut-être 8 ou 9 matchs. Puis on avait fait quelques petits échanges, mais la grosse échange, c'était Philippe Michael DeVos là, qui jouait à Victoriaville, qui était premier marqueur de la Ligue. Ouais. Juste à la dernière minute des échanges, Benoît Gros a sorti un coup de maître, là, puis est allé chercher. Ça nous a vraiment, tu sais, ça nous a quand même craqué là, quand on avait entendu ça. Puis je me rappelle qu'en première ronde, on avait joué Rimouski, puis on regardait un petit peu, tu sais, on essaye de pas trop regarder les prédictions des journalistes ou des experts, tout ça. Puis ils nous mettaient perdants dans cette série-là. Rimouski avait une bonne équipe. Puis finalement, on avait battu Rimouski, c'était en 5 ou en 6, mais c'était une bonne série, des matchs serrés. En deuxième ronde, on avait joué justement Sean Couturier puis les Voltigeurs de Drummondville. Les deux premiers matchs, on les avait joués là-bas. Je pense qu'on avait perdu 2-0 puis 1-0. Je me rappelle, tu sais, mes parents après le match, on dirait que ça ne vous tente plus, mais tu sais, eux, ils avaient vraiment un bon système de jeu, ils avaient vraiment, tu sais, ils jouaient serré, il y avait un peu l'ancien système à Guy Boucher, là, l'année qu'ils avaient gagné contre Shawinigan, tu sais, un bon système défensif qui était dur à jouer contre, puis on a fait quelques ajustements, on a retourné la série pour la gagner en 6, puis tu sais, c'était fou, là, les on parle du vieux Bob, mais c'était... En 7, selon Wikipédia. l'énergie était incroyable. C'était vraiment cool. Puis c'était, tu sais, la ville, la région était vraiment hockey. Puis en demi-finale, ouais, c'est ça, on a joué contre les Remparts de Québec. Il y avait Marc Chassot, justement, Michael Tam était là aussi. Tu sais, il y avait vraiment une bonne équipe. On perdait la série 3-1, on a remonté, on a gagné 107. Puis après ça, on est parti en avion, on est allé jouer Saint-John, qui était pratiquement imbattable cette année-là. Puis on a réussi à toffer la série en 6, puis on a perdu en deuxième prolongation. En plus, ce match-là, moi, je m'étais blessé au match numéro 5. Fait que ce match-là, j'étais dans les loges, puis on menait le match, je pense que c'était 3-2 ou 4-3. Il restait, je pense, 10 secondes. Le gardien de l'autre bord, il déplace un peu son but. Tu vois Gérard Galland qui fait un genre de jeu truqué sur le face-off. Ils font le jeu truqué, Huberdeau, il score. 3-3, on s'en va en prolongation. Là c'était... Tu sais, quand tu te dis, là, tu te dis, on est à 10 secondes d'un match numéro 7 de créer de quoi, de battre. Tu sais, cette équipe-là, il y avait Éric Gilina, si je ne me trompe pas, il y avait Després. Huberdeau, Galiev, il y avait de des joueurs comme champions, je pense qu'il y en avait 6 de NHL. C'était quand même spécial. Danick Gauthier était là. Je pense que cette année-là, il y avait 19 ans, je pense qu'il avait fait 30-35 buts. C'est un,
c'est un super bon joueur. Je pense qu'il jouait peut-être une troisième ligne, mais un joueur avec des mains comme ça, tu sais. Puis finalement, ben, on a perdu en deuxième prolongation. Ça a vraiment été, ça a été dur, tu sais. Ça a été vraiment dur d'encaisser tout ça parce que tu dis, tu passes tellement proche, puis tu sais, tu tombes dans un dans une bulle que tu penses que tu vas te rendre jusqu'au bout tout ça puis mais j'ai adoré la façon que Benoît Groulx nous a coaché de croire en nos chances puis de la façon d'analyser les autres équipes tout ça puis ça a fait qu'on n'avait pas la meilleure équipe mais on était capable d'aller chercher le meilleur de chacun puis c'était vraiment une belle run. Tu dis que justement en demi-finale tu avais joué contre Michael Tam, les avait battus en 7. Maintenant que tu l'as retrouvé cette année, c'est quoi des fois que des fois si vous parlez, tu peux y envoyer une petite. C'est des choses, on avait. Peut te le faire aussi pour la finale, mais c'est des choses que vous parlez encore des fois en quiz. Ben, c'est des choses des fois qu'on parle en blague, là, mais tu sais, Mick, moi j'avais. C'était Louis Domingue qui gaulait cette année-là. Puis j'avais, je pense, 2 ans après, là, j'étais allé dans la East Coast, puis j'étais en appartement avec Louis Domingue. Fait que, puis cette game 7-là, ça avait bien été pour moi, puis je l'avais taquiné un peu. Même chose pour Mick, mais c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs juniors, puis je suis content de l'avoir de notre bord, là, Mick Tam. Là. À ta dernière année, là, junior, tu as été échangé à Chicoutimi. Revenu dans ton patelin, là, est-ce que c'était un peu un rêve que tu vivais? Oui, c'est un rêve. Là. Moi, quand les séries sont terminées, là, justement, ça, c'était la photo avec Mathieu, justement, Mathieu Gagnon qui joue pour le Cool FM, puis un qui joue pas pour le Cool FM, là, mais qui joue pour les RM2, Pajot. On avait échangé avec Pajot parce que les deux, vous étiez à Gatineau. Oui, ben dans le fond, c'était moi, Mathieu et moi, on avait échangé dans la même échange. Puis après ça, je pense une journée ou deux jours après, Jean-Gab, il valait une lune dans ce temps-là. Là, ouais, fait, j'imagine. Mais non, j'étais vraiment content parce que c'est des bons Jacks, c'est des bonnes personnes. C'est deux gars de l'Outaouais, de Gatineau. Puis c'était cool de mes enfants. Moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais un petit peu plus vieux que Mathieu et Jean-Gab, mais ils m'ont toujours bien accueilli, soit chez leurs parents, aller souper, ces choses-là. Fait que, après ça, c'était à moi de faire la même chose pour qu'ils se sentent bien quand même. Mm-hmm. Puis on a vécu des bons moments quand même. On avait perdu en demi-finale encore contre Saint-John. J'ai perdu 3 ans en ligne contre Saint-John en série junior. Fait que, des fois, j'en ai fait des cauchemars une couple d'années. Là, fait que, mais on avait, tu sais, c'est ça. En première ronde, on avait battu Batteuse. Après ça, on avait joué justement les Cataractes de Shawinigan qui avait la coupe mémoriale cette année-là. Puis on les avait battus en 7. Fait que ça avait été fou. Puis de voir vraiment la région là. Moi, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune. J'étais dans les années Bantam, puis oui, je me rappelle les années à Dernay, Maxime Boitler, les années qu'il avait sorti, là, il avait sorti des grosses équipes en série, puis c'était plein, c'était fou. Tout le monde parle de ça, la région parle de ça. Fait que, là, de le vivre, c'était incroyable. Là, puis je suis vraiment content que, justement, c'était Benoît Groulx qui était encore là à l'époque, là, puis il m'avait donné le choix, justement, de où est-ce que je voulais aller, si je voulais continuer avec l'équipe ou je voulais aller à Chicoutimi. Puis, je remercie pour ça parce que je pense que t'as pas deux chances. Puis là, j'ai eu la chance de finir là, surtout à 20 ans. On avait une bonne équipe avec des Guillaume Asselin, Charles Hudon, Christopher Gibson, Jean-Gabriel Pajot qui s'est rajouté. On avait une bonne équipe pour se rendre jusqu'au bout, mais on a perdu après ça contre la grosse équipe de Saint-John qui avait... Il n'y avait plus de Éric Gélina, puis il y avait Charlie Coy. Ils sont allés chercher Charlie Coy à Noël, je pense qu'il jouait à Boston College, ou je ne sais pas trop quoi, là, mais tu sais. C'était un des meilleurs joueurs sur Atlas, puis c'est ça. On a perdu, je pense, 2 ou 3 matchs en prolongation cette année-là. Mais c'est ça. Ça a été des expériences incroyables, puis je suis content de l'avoir vécu. T'as connu des runs de, justement, t'en parlais, là, une bonne run de playoff avec les Saguenay-Chicoutimi. T'as connu une très bonne run de playoff à ton année recrue dans l'Union américaine avec les Marquis de Jonquière. Est-ce que tu trouves que c'est quand même comparable l'ambiance qu'il y a dans la ville quand les Marquis se rendent vraiment loin versus les Saguenay?
Oui et non. Je pense que, tu sais, la différence un petit peu des fois, c'est, je pense que, tu sais, les Saguenay, c'est des cycles, tu sais, au niveau junior, c'est des cycles, puis, tu sais, ce que je trouve plate un petit peu, c'est que l'année, tu sais, on le voit, Raphaël Vépinard, qui est avec les Canadiens de Montréal, tu sais, ça a été la dernière année que les Sags étaient puissants, avec Mercer, tout ça, puis, tu sais, il y a eu le COVID. Cette année-là, je me rappelle, la région, là, tu sais, les matchs de saison, après Noël, après les échanges. Tout le monde disait que c'était les favoris pour gagner. Ouais, c'était les favoris, puis tu sais, il y avait du talent, puis c'était vraiment une belle équipe, là, tu sais, puis il y avait de l'expérience, puis ils sont allés chercher Bibo, un peu, tu sais, un peu comme l'échange qu'on avait fait avec Pajot, tout ça, puis tu sais, il y avait un engouement autour de ça. La différence un petit peu avec les Marquis, c'est comme on parlait un petit peu au début, il y a eu des grosses équipes, tu sais, les années à Jean-Michel Bolduc, puis tu sais, il y a un petit peu moins d'équipes aussi dans la Ligue, fait que tu dis que t'es toujours un petit peu plus proche de gagner, mais je pense que, tu sais, l'année qu'on a gagné justement avec Richard Martel, ma première année dans la Ligue, tu sais, en première ronde, on jouait Laval avait pas une grosse équipe, là, hop, Laval sont venus chercher un match à Jonquière, on a perdu un match là-bas. Je pense que c'était 2-2. Là, hop, là, le monde a commencé à embarquer parce que là, OK, oh, là, c'est du hockey de série pour vrai. Puis ça sera pas. Tu sais, cette année-là, je pense qu'on avait sur 40 matchs, on avait gagné 30. Puis on n'avait pas perdu beaucoup. Là. On n'avait pas perdu deux matchs de suite, si je me rappelle bien. Fait que, tu sais, mais après ça, le monde a embarqué tranquillement. C'est juste dommage que cette année-là, on l'avait gagné sur la route, la coupe. Là. Je pense que ça fait. Je me rappelle pas la dernière fois qu'ils ont gagné à Jonquière. Là. Je ne sais même pas s'ils ont gagné à Jonquière une fois, là, les Marquis. Non, les trois coupes qu'ils ont gagnées, malheureusement, les Marquis n'ont jamais gagné à maison. Ils n'ont jamais gagné à maison, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est un petit côté-là qui était plate un petit peu pour les propriétaires et pour les joueurs aussi. Mais tu sais, quand tu gagnes rendu là on avait déjà reçu les frères Malouin, justement, au podcast, puis ils nous avaient dit que. Justement, à l'aube du quatrième match à Thetford Mines, le propriétaire, il avait essayé de s'assurer qu'il y ait un match 5 à maison, mais ça n'avait pas fonctionné. Je me rappelle de cette fois-là. Puis, je me rappelle cette année-là, on avait une grosse équipe. Puis, Thetford 2, il y avait eu une grosse demi-finale. Là, ça avait été, je pense, ça avait été physique. Puis, il y avait beaucoup de joueurs blessés. Les gars étaient amochés de l'autre côté. Fait que, tu sais, c'est pour ça que là, je pense que lui, il voulait qu'il y ait un match numéro 5, ouais. Ah, toi, t'étais là, moi, j'étais pas là, Jay. Ton frère devait être là aussi. Mais je me rappelle que Richard Martel était rentré dans la chambre après la première période, puis il n'y avait pas de question qu'on la perde, là. Fait que, mais tu sais, c'est des souvenirs incroyables. Puis, tu sais, quand t'as la chance de gagner, tu laisses pas une chance. Tu sais, on perd ce match-là, whoop. On échappe le deuxième, tu sais, puis des fois, ouais, ça va vite. Fait, ouais. Tu peux pas jouer avec le feu comme ça, puis ouais. On est content de l'avoir gagné quand même. Parlez-en à Sorel l'année passée. Ouais, c'est un petit peu ça. Des fois, ça va vite quand le vent tourne de bord. Là, ouais. Des fois, tu t'enfonces, puis t'as plus vraiment de solution. Pendant ton parcours junior ou après, est-ce que tu as eu des invitations à des camps de la Ligue nationale? Non, jamais. En fait, non. J'étais allé dans la East Coast après ça. J'étais allé justement avec Gwinnett, l'adiateur de Gwinnett, là. J'étais allé là, c'est là que j'ai rencontré justement Louis Domingue. J'avais joué justement avec Maxime Villemaire qui était là aussi. Finalement, Maxime Villemaire, lui, avait comme 20 ans. Il est reparti jouer junior après Noël. C'est comme Alex Bézil qui est arrivé après ça avec nous. Puis moi, entre-temps, je me suis comme fait échanger à San Francisco. Puis parce qu'il y avait une bonne équipe à Gwinnett, puis ils sont allés chercher des joueurs plus vieux un petit peu. Eux autres, ils s'essayaient vraiment pour la Coupe. Moi, j'étais allé à San Francisco, j'ai aimé mon expérience. Au début, j'étais un petit peu, j'étais un petit peu déçu de me faire échanger. Tu sais, quand je m'étais fait échanger une fois, puis c'était junior pour aller à Chicoutimi. Ça m'avait fait quand même un choc dans ce temps-là, parce que tu sais, quand ça t'a jamais arrivé, tu fais comme crime. OK, là, c'est fini, là, tu sais, ma vie est plus à Gatineau, elle est ailleurs, tu sais, puis ça fait 3 ans et demi quand même, tu passes quand même une partie de ta adolescence, jeunesse, là, quand même. Fait que là, tu sais, c'était comme un petit choc, mais là,
dans l'East Coast, j'étais comme déçu un petit peu. Mais là, quand Louis Domingue me disait, hey, tu t'en vas à San Francisco, là, je pense que tu n'as pas d'affaire à pleurer. Là. fait que, j'ai vu tes petits photos avec le Golden Gate. Là, ah ouais, non, non. Hey, comme, ouais, il y a des pires villes que ça dans l'East Coast. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, en plus, la différence un petit peu dans l'Ouest dans ce temps-là, c'est que ben, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais il y avait une équipe à Vegas, il y a une équipe à Alaska. Tu voyageais vraiment dans des belles villes, Salt Lake City. Tu voyageais en avion, c'était cool. Puis après ma première année, justement, j'ai été invité au camp de la Ligue américaine des Sharks. Là, c'était Worcester. Puis j'étais allé au camp. Puis tu sais, au début que je suis arrivé là, tu vois la liste, tu fais comme signer, ben aucune chance, tu sais, je vais aller m'amuser, peut-être ça, mais là, plus ça avançait, plus ça allait bien, puis match sur concours, ouais, ça va vraiment bien, tout ça, puis quand ils m'ont retranché, ils m'ont dit qu'il y avait trop de joueurs, puis tu sais, c'est là que tu te rends compte que, tu sais, c'est ça le hockey, là, c'est normal aussi, tu sais, quand t'as un contrat, puis tu sais, je trouvais ça quand même, des fois, tu te dis c'est tellement bien structuré comme hockey que c'est presque plus facile, tu sais, parce que les gars sont bien placés, les gars sont, sans dire meilleurs, tu sais, c'était une coche en haut. Mm-hmm. Puis c'était vraiment une belle expérience, j'ai adoré, je suis retourné à San Francisco. Après ça, c'est ça, là, je me suis échangé, j'ai fait 3 équipes cette année-là. J'avais fini avec les Comets de Fort Wayne, vraiment une belle ville de hockey, sérieusement, là. J'ai adoré l'expérience. T'sais, comparativement à San Francisco, que le monde, tu gagnes 6-1, tu perds 6-1. Le monde vient de faire signer le casquette après. Hey, le plus beau match de ma vie. là-bas, tu sais, le score, il y a eu 2 bagarres, c'est une belle game de hockey. Là, mais après ça, tu sais, d'aller à Fort Wayne, qui est une ville un peu plus... Eux autres, ils ont une équipe dans la Ligue internationale dans le temps, tout ça. C'est vraiment, tu sais, c'est du 5-6 000 personnes par match. Puis le monde, tu sais, les Comets, ils savent c'est quoi, puis c'était vraiment une belle expérience. Eux, il n'y avait pas d'affiliation avec l'équipe de la Ligue américaine, fait que c'était encore plus fun parce que tu te disais, bon, ben, tu sais, j'ai une chance pour vrai, tu sais, de faire ma place, parce que, tu sais, les affiliations font en sorte que ça, c'est comme des dominos, maintenant, là, lui, il descend, tout le monde descend, fait que toi, tu, bon, ben, va dans les estrades 2-3 matchs, puis c'est pas plus compliqué que ça. Puis après ça, ben, l'année d'après, eux autres, ils ont signé avec Colorado. Fait que moi, j'avais décidé de signer là. Le lendemain, je vois qu'il y a une affiliation de Colorado. Je suis un petit peu déçu. Puis finalement, ben, je pense que j'avais joué 62 matchs sur 68. On s'était battu pour les séries. Puis j'avais eu une petite blessure. C'est pour ça que j'avais manqué des matchs. J'avais pas été dans les estrades. Là. Puis là, tu te bats pour faire les séries. T'es super content. T'es là. Puis là, finalement, Colorado ne font pas les séries. Les Kerry ne font pas les séries. Fait qu'ils descendent 4 ou 5 gars... de la Ligue américaine, puis j'ai joué un match de série, puis après ça, je savais que l'expression « mon chien est mort », ben c'était pas mal ça, puis là, je me suis dit... Ouais. Pourtant, t'avais... Si on regarde les stats vite, t'avais quand même connu une bonne saison, c'est plate. Ouais, j'avais quand même connu une bonne saison, tu sais, c'est sûr et certain que t'essaies de faire ta place dans ton style, tu sais, moi, je suis pas un gars qui a tout le temps fait énormément de points, tu sais, je suis quelqu'un qui... je suis quelqu'un d'équipe, tu sais, qui va faire sa petite chose, puis je vais essayer d'aller chercher un but de temps en temps, tout ça, tu sais. Je me rappelle, on avait l'année justement que j'avais... Ma première année à Fort Wayne, on avait joué justement contre Yannick Tiffu, qui jouait pour Reading, justement, dans ce temps-là. Puis, tu sais, la première fois que je l'ai vu jouer, tu sais, j'ai vraiment été impressionné. Il était vraiment dominant, tu sais. Puis, je pense qu'eux, ils avaient fini premier ou deuxième, puis on avait fini 7 ou 8. Puis, on les avait battus, justement, en série. Je pense qu'ils avaient gagné la coupe l'année d'avant, eux. Fait que, tu sais, c'était un moment spécial, pareil. Fait que là, tu sais, ça donnait le goût d'en signer là l'année d'après. Puis là, l'année d'après, ça, c'est arrivé. J'ai pas joué beaucoup de matchs en série. Mais j'ai joué un match ou deux, je pense. Puis là, je me suis dit, bon, ben, je pense que c'est fini la East Coast pour moi. Je pense que c'est peut-être passé à... C'est d'aller peut-être essayer en Europe, là, de visiter un petit peu les villes, de voir l'hockey un petit peu là-bas avant de revenir ici. C'est un peu ça ma question que je me demandais, parce que justement, comme Dave a dit, c'était ta meilleure saison de points, 37 points. Fait que je me disais, est-ce qu'il s'est dit, ben, je fais ma meilleure saison, puis même à ça, je n'ai pas de contrat, fait que bon, ben, je m'en vais essayer. T'sais, peut-être que j'ai pas assez, peut-être fait de points ou peu importe. T'sais, souvent, quand tu rentres, mettons, ton agent dit, ah, faut rien que tu signes, t'sais, je te parlais tantôt d'Alex Belzile, tu sais, il a fait 98 points sa dernière année junior majeure à Rimouski, 96.
était vraiment bon, était partout. Ils ont perdu en finale contre St. John. L'année d'après, son agent, je pense, il dit « Ah, signe pas un contrat deux volets, là, Ligue américaine, East Coast, signe un contrat juste East Coast, parce que toutes les équipes peuvent te rappeler. » Ben, Crime, il s'est fait retrancher au camp de l'East Coast, tu sais. Ah, fait que, fait que quand il est arrivé avec nous autres à Gwinnett, ben, c'était comme sa première chance, tu sais. Mm. Ce joueur-là est arrivé, puis il avait un impact tout de suite dans notre équipe, tu sais. Fait que juste te dire des fois comment on voit les choses, tu te dis, ben, j'ai un contrat de deux volets, ben, ça m'assure de au moins jouer dans l'East Coast, tu sais, puis de te faire rappeler par cette équipe-là. Tandis que, ben là, OK, tu peux te faire rappeler par tout le monde, ouais, mais faut au moins que tu te fasses rappeler, tu sais, faut au moins que tu aies ta place dans l'East Coast. Mais c'est des façons de voir les choses, puis je pense que c'est ça, tu sais, c'est des questions de fit. L'année que Jean-Gabriel Pageot a joué NHL, je me rappelle, il m'avait appelé, manquait retourner avec les Saguenay de Chicoutimi parce que c'était comme un peu, il y avait eu un lock-out, je pense, cette année-là. Il n'y avait pas de place pour lui dans la Ligue américaine. Ah, on va peut-être te retourner comme 20 ans avec les Sacs. Finalement, il avait préparé son chandail dans East Coast parce que il voulait le descendre dans East Coast parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans la Ligue américaine. Hop, 2-3 blessés, le lock-out est fini. Il joue dans la Ligue américaine, gagne sa place. Même année, il se fait rappeler avec les Sénateurs d'Ottawa. Puis, score 3 buts contre Carey Price en série après ça. Ouais. Fait que tu te dis... Tu passes de jouer avec les Sacs ou en série contre le Canadien. Des fois, c'est souvent ça. Il y a tellement de joueurs que... sans rien leur enlever, mais il y a des joueurs qui ont touché à la Ligue nationale, qui viennent dans la Ligue nord-américaine. Évidemment, ces joueurs-là sont dans les meilleurs joueurs de la Ligue, mais il y a d'autres joueurs dans la Ligue que tu vois jouer contre ces joueurs-là, que tu dis, ben, tu sais, ça avait été un concours de circonstances, c'est des joueurs qui auraient probablement pu toucher à la Ligue nationale également. Ah, t'as 100% raison, il y a tellement des bons joueurs dans la Ligue. Tu sais, des fois, le monde, ils font le comparatif, les Saguenayens pourraient jouer contre les Marquis. Je pense pas parce que l'expérience que les joueurs y ont, tu sais, c'est tous des joueurs qui ont joué, qui ont été dominants soit dans le junior 3A, soit qui ont, tu sais, ils ont fait des bons parcours en Europe, ces choses-là qu'avec le temps ils sont développés. Puis tu sais, après ça, l'expérience ça s'achète pas. Puis tu le vois tout de suite, tu sais, des fois il y a des joueurs qui arrivent à 21 ans dans la Ligue nord-américaine. C'est sûr que là, on voit, je pense que c'est Larose là, qui a 21 ou 22 ans. Il a touché l'année passée au professionnel. C'est sûr qu'il y a une shape de joueur de hockey quand même. Je pense à 6 pieds 3, 6 pieds 4, il est capable de se débrouiller. Mais si physiquement c'est plus dur, ben déjà là, tu pars avec deux prises. Puis après ça, les gars ont beaucoup d'expérience. La première année que je suis arrivé, Hugo Carpentier, Benoît Graton, Jonathan Paiement, Jean-Michel Bolduc, tu fais oh, OK, là, c'est Stéphane Chaput. C'est des joueurs de hockey. Puis, à part Benoît, Hugo n'a jamais joué les NHL, mais Benoît Graton, ça a touché NHL, ça a joué longtemps en Europe. C'était quand même trippant de voir comment il se comportait. Là, De ton côté, tu es parti à Brest par la suite, après la East Coast. Oui. Je pense. Oui, je suis parti à Brest justement, il y avait justement Alex Kennel que j'avais joué avec Junior à Gatineau. En fait, Alex, il avait joué là l'année d'avant. Puis, j'ai décidé de partir avec lui, puis Mathieu Gagnon aussi, qu'on parlait tantôt. On a parti, tu sais, on se connaissait déjà. C'est une équipe quand même que, tu sais, eux, côté attente, là, on n'avait pas beaucoup de pression à aller là-bas. Là. Tu sais, c'était une équipe... C'était justement en Bretagne, dans l'Ouest un petit peu. Eux autres, ils appellent ça le maintien parce que tu sais, quand tu finis dernier, tu peux descendre de niveau. En Europe, c'est comme ça. Si tu gagnes, ben là, tu restes en haut. Mais quand tu es au niveau inférieur, si tu gagnes, tu vas monter, et ainsi de suite. Fait qu'eux autres, c'était juste de se maintenir dans la Ligue Magnus. Puis finalement, on a fait une belle saison. Avec Charles Landry aussi, un autre Québécois qui était là. Puis. C'était vraiment une belle expérience parce que tu visites beaucoup. Puis je pense que quand tu voyages, tu vas à Bordeaux en France ou à Chamonix ou dans ces coins-là, c'est vraiment spécial. Puis c'est cool de voir la culture un petit peu. Puis la façon que les Français pensent aussi là, au hockey, c'est on apprend chaque jour quand même. Puis j'ai vraiment adoré mon expérience. La façon que les Français pensent, y a-t-il quelque chose de spécial à raconter? Je veux dire que, tu sais,
je me rappelle que, tu sais, quand on jouait contre des grosses équipes un peu comme Grenoble, avec des gros budgets, Rouen, qui c'est des équipes quand même assez réputées là-bas, tu sais, c'était comme, oh, OK, là, tu sais, eux autres, dans leur tête, il ne faut pas perdre 7-0. Mais, tu sais, du hockey, c'est du hockey. On va se présenter, puis on verra ce que ça va donner, tu sais. Puis, tu sais, cette année-là, ben je pense l'année avant que j'arrive, je pense qu'il avait gagné un match sur la route. Puis là, c'est un petit peu ça, mentalité. « Oh, ouais, sur la route, ça va être dur, ça, blablabla. » Mais, on va aller jouer. Puis, gars, finalement, cette année-là, on avait fini, je pense, tout le monde nous mettait dernier. On n'avait pas un gros budget, nous autres, comme équipe. Puis, tu sais, il y avait une revue au début de l'année que les pros nous mettaient dernier, tout ça. Puis, finalement, ben on avait battu Grenoble. On avait battu des grosses équipes. Puis, on avait fini, je pense, sixième, tu sais, sur 14. Puis, oh, OK, la surprise. Puis, mais tu sais, moi, je me dis, Krim, on va aller jouer, puis let's go, là, tu sais, on verra après, puis c'est plat de partir déjà en me disant que tu vas perdre, tu sais. Ouais. Mais j'imagine que c'est la mentalité du soccer un peu, parce que là-bas, je veux dire, les petits clubs, c'est sûr que dans leur tête, c'est quand on va se faire éclater par Paris Saint-Germain. Ouais, ben oui. C'est un peu la même mentalité. Là. Ben oui, puis tu sais, surtout que là-bas, ben il y avait, tu jouais, je pense que c'était 26 matchs ou 28 matchs, mais tu avais la Coupe de France, tu avais la Coupe de la Ligue, fait que tu avais beaucoup de petites coupes à travers ça. Puis après ça, eux, je pense, tu sais, on mettait vraiment pas l'emphase là-dessus, nous autres. Ah non, nous autres, c'est vraiment le championnat, tu sais, la saison qui compte. Fait que, tu sais, on va essayer de pas brûler d'énergie, pas se blesser dans les matchs qui n'ont pas trop rapport. Tu sais, ça, c'est la façon de penser, c'est pas si mal parce que tu te dis, crime, bon, ben, OK, mais tu sais, on y allait quand même en espérant, tu sais, se rendre le plus loin possible. Mais, tu sais, c'est ça, ils ont une façon de penser un peu différente, mais, tu sais, je pense qu'à un moment donné, la mentalité a changé dans l'équipe, puis, tu sais, on s'est rendu compte qu'on pouvait battre n'importe qui, puis au moins compétitionner contre n'importe qui, puis, tu sais, on a eu une super de belle année, puis, ça a pu changer deux, trois façons de penser à des joueurs là-bas, ben tant mieux. Et le monde sont défaitistes à Brest. Ouais, ben ouais, surtout des fois, ça tombait quand même assez. T'étais là-bas des fois, puis tu sais, là-bas, il n'y a pas de neige, mais il mouille. Fait que c'est sombre, puis il y a un temps dans l'année que tu sais, t'es quand même. C'est ça. T'as eu un petit soleil, un petit rayon de soleil, t'es content de le voir. Là. La saison d'après, tu es revenu au Québec, à Jonquière? Ouais, ben en fait, c'est ça. Moi, je m'étais fait opérer au genou en France à la fin de ma saison. Fait que j'essayais de me trouver un contrat ailleurs un petit peu. Je pense que ma blessure n'a pas aidé. Mais j'ai décidé d'appeler, c'était Marc Boivin. Ça faisait 2-3 ans, les autres qui m'appelaient pour que j'aille jouer. Là, j'ai dit, bon, ben je vais y aller. Finalement, ben, tu sais, juste avant le camp, j'ai comme un offre pour aller dans East Coast. Fait que j'essaie de, je vais retourner dans East Coast. Je vais y aller. Tu sais, c'était à Gwinnett, justement. C'était le capitaine dans le temps que j'étais là, s'il était rendu le coach. Fait que là, il me dit, c'est beau, je t'en donne des nouvelles dans 2-3 jours. Fait que là, c'est bon. Fait que là, je m'en vais au camp des Marquis. Puis de cette année-là, je me rappelle, Richard Martel m'avait dit, ben, viens faire ta place, tu sais. Il dit, on n'a pas de place, mais viens, essaie de venir faire ta place. Fait que là, c'est beau, je vais venir au camp. Fait que finalement, je m'en vais au camp. Ça va bien, tout ça. Mais tu sais, je pense que le premier match, j'avais joué. Le deuxième match, j'avais été dans les estrades parce qu'il n'y avait comme pas de place pour moi. Mm-hmm. Mais tu sais, j'avais aimé l'ambiance dans l'équipe. J'avais aimé, tu sais, j'avais pas la même façon de penser de la Ligue nord-américaine que peut-être quand j'allais voir les matchs, tu sais. Mais quand je suis rentré dans la chambre puis voir le sérieux des gars quand même, tu sais, les gars, on a du fun, mais tu sais, c'était quand même, on est là pour gagner, tant qu'être là, on va y aller, puis on let's go, puis on est une gang, puis on est unis. Puis j'ai vraiment aimé cette façon de penser-là, de la gang, puis lui, il me revenait pas trop de nouvelles, fait que là, tu sais, finalement, on a comme dit, bon, gars, c'est beau, je vais rester ici pour l'année. Puis finalement, ben, j'ai réussi à gagner mon poste avec les Marquis, puis une super de belle année, puis c'était vraiment, c'est un année de rêve quand même, là, tu sais, ça a vraiment fait du bien, au moral, après, peut-être, tu sais, dans East Coast, c'était dur de comment je pourrais dire, pas de m'impliquer, mais de prendre ma place. Puis là, ben, t'arrives avec les Marquis, puis whop, après quelques matchs, là, ça a bien été. Puis je jouais avec des super ouais, bons joueurs, on avait une belle équipe, on avait une chance de gagner, fait que, tu sais, pourquoi partir? Ouais, puis tu sais, tu parlais de faire ta place, tu l'as quand même pas pire fait, là. T'as fini deuxième pointeur de l'équipe cette année-là. qu'est-ce qu'il pense que
Qu'est-ce que tu penses qui a fait ta réussite quand tu es rentré dans la Ligue nord-américaine puis que tu as réussi à... Ben, tu as fait ma réussite, tu sais, je te cacherai pas, comme je te dis tantôt, tu sais, c'est la première fois de ma vie que je faisais un peu plus de points, ça, pour ma dernière année junior, j'ai fait un point par match, j'avais 20 ans, tu sais, c'est sûr que dans ce temps-là, il faut que tu sois un peu plus dominant, mais... Tu sais, je jouais tellement avec des bons joueurs. Tu sais, je jouais avec Canel, Stéphane Chaput, Benoît Gratton, Hugo Carpentier. Tu sais, là, je vais dire Jay Malouin parce qu'il doit écouter puis il va dire tu m'as pas dit. Mais tu sais, on avait tellement une belle équipe puis on avait vraiment on avait une belle gang de leaders. Puis tu sais, c'était je te cache pas, c'était facile de jouer. Tu sais, c'était facile. Les gars étaient tellement bons. On était vraiment, tu sais, on était tous à la même page, puis tu sais, ça n'avait pas de question qu'on perde, là. On allait jouer, puis on gagnait, là, tu sais, dans le tête, c'était, on perd pas un match cette année, puis on avait une belle équipe offensive, tout ça, fait que, tu sais, je pense que ça a vraiment eu un déclic, puis je jouais, tu sais, avec aucun stress, aucune pression, tu sais, c'était la première fois depuis, peut-être, tu sais, mes années, je ne te cacherai pas, mes années juniors, t'es plus jeune un peu, tu veux performer, tu veux que ça aille bien, là, c'était plus genre, hey, regarde, t'es là, amuse-toi, puis... puis ça a vraiment eu un déclic, puis c'était vraiment, tu sais, j'ai aimé ça aussi, jouer pour Richard Martel, je pense que c'est un coach qui est vraiment émotif, qui amène de l'émotion, mais tu sais, il file bien la game aussi, là, fait que c'était vraiment, c'était un bon fit, là. Puis à la fin de la saison, je vais mettre des petites photos, mais... Yes, avec les deux Vikings du Saguenay, Louis Tremblay, puis Jean-Michel Bolduc, ouais, ça, c'est deux leaders, là, c'est deux gars qui... T'sais, c'est pas pour rien que les Marquis, dans le temps, c'était des. Quand tu parles avec Jonathan Pernin, Carpentier, qui ont cette identité-là de d'équipe tannante. Ils amenaient un aspect robustesse, mais qu'ils lâcheront jamais. Puis, comme je te dis, quand je suis rentré dans la chambre et j'ai vu la latitude des gars, ben j'ai accroché tout de suite. Puis, c'est à cause de des gars comme ça. Là. Quand on regarde ce couple-là versus aujourd'hui, il reste toi, il reste Jean-Simon Allard. Puis, ben, techniquement, Hubert Poulin qui est revenu, qui faisait partie de ce couple-là, mais vous êtes les seuls qui restent de cette couple-là. Ça fait quoi un peu être le quasiment un des doyens de l'équipe? Puis, justement, quand tu parles des gars comme Bolduc puis Tremblay qui a la guerre, tout ça, puis de garder, si on veut, cette essence-là pour que les Marquis, ça, dans le fond, continuent d'avoir du succès. Puis, c'est quoi un peu d'être un des. Ben, je pense que, tu sais, ben, je pourrais te dire, tu sais, moi, eux autres, c'est vraiment un aspect, tu sais, moi, c'est pas l'aspect robustesse que j'apporte, là, c'est ça. Ouais, mais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est. Pas nécessairement d'être tough. Là. Non, je sais, je comprends. Mais c'est un peu de blague, là. Ouais. Mais, tu sais, quand je suis revenu, tu sais, parce que je suis reparti, excuse-moi, je suis reparti avec mon année après ça. J'étais allé justement en Australie, tout ça. Puis quand je suis revenu avec les Marquis, j'ai trouvé un petit peu justement que le sentiment d'appartenance avait comme... Il y en avait moins, tu sais. Puis tu sais, c'est un peu normal parce que, tu sais, quand tu traverses le parc à chaque fin de semaine, puis tu sais, t'es à 2, 3, 4, 5 heures de route, tu viens jouer à Jonquière, tu repars tout de suite après la game... Puis des fois, ben, quand tu viens jouer dans le Nord-Américain, tu joues ta game, tu viens chercher ton chèque de paye un peu, mais tu t'en fous de gagner ou perdre. C'est un petit peu ça que quand je suis revenu, j'étais comme, tu sais, j'avais, oh, ça a changé ici, tu sais, mais ces gars-là, t'es parti. Puis je pense que là, c'est de ramener le fait de, ben, hey, gars, on est ici, on a la chance de faire de quoi de le fun, on est chanceux de le faire encore. Puis tu sais, cette année, on a un petit peu plus de gars de la région aussi. On a quand même des nouveaux, je pense à des Marc-André Terrien, Simon Claude Blackburn. Là, après ça, ben, tu as Louis-Philippe Simard qui s'est rajouté depuis quelques années. Mais on a des gars de la place. Je pense que le sentiment d'appartenance, ben, les gars qui sont là comme Brisebois, que ça fait quelques années, ben, eux, ils sentent puis ils savent comment c'est important pour le monde ici de performer puis de gagner ou perdre. Rendu là, on n'a pas le contrôle là-dessus, mais d'au moins de tout mettre ça à glace, tu sais, quand tu vas là, puis de, je pense, tu sais, le fait de ne pas abandonner, tu sais, dans cette ligue-là, ça change tellement vite, des remontées, il y en a eu, tu sais, on en a parlé tantôt dans les séries l'année passée, mais que ce soit dans des matchs ou, tu sais, juste de, regarde, on a joué Saint-Georges samedi, on les rejoint en fin de semaine, fait que c'est
c'est important quand même. Ce n'est pas parce qu'on a gagné qu'on va regagner. Là, c'est tout le temps un nouveau match, mais le fait d'être soudé, ben, je pense que c'est ça le plus important dans cette ligue-là, parce que c'est pas une ligue que les équipes pratiquent beaucoup non plus. Fait que, d'arriver au match et d'avoir du plaisir ensemble, ben, je pense que ça c'est ça le plus important. T'sais, gagner au pair, là, quand tu viens à l'aréna et tu as du plaisir, ben, je pense que tu pars dans la bonne direction. Après ta première saison, tu l'as dit, tu étais reparti, tu étais en Australie. Le Thunder de Perth, à quel honneur tu es allé là? Benjamin Bro, que j'ai joué dans la Ligue, justement, je pense que c'était à Saint-Georges. Lui, il avait joué là un an, tout ça. Puis là, j'avais comme entendu un peu parler de ça. Fait que moi, je l'ai contacté, puis ça s'est fait en deux jours. J'avais décidé d'aller là-bas. Le pourquoi, c'est parce que, tu sais, j'étais encore jeune. J'avais pas de blonde, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de maison, j'avais rien de vraiment, tu sais. J'étais revenu un an, j'arrive. Une opportunité d'aller en Australie jouer du hockey, tout, tu sais, quand même toute dépense payée. C'est quand je vais avoir cette opportunité-là. Fait que, tu sais, j'ai dit go, j'embarque, puis, tu sais, je regrette rien de ça parce que c'était vraiment trippant. J'ai vu les deux gars qui ont signé justement de Rivière-du-Loup. Ouais, Kevin Veilleux est allé, j'en parlais avec Luc Marcotte. Kevin, ouais, justement, avec Luc Marcotte. Puis, tu sais, eux autres, je n'ai pas parlé à Loïc, mais Kevin, il me disait que lui, il a trippé. Puis, tu sais, c'est vraiment. Tu sais, le hockey, c'est drôle aussi. On parlait de la mentalité des Français, mais là-bas, tu sais, c'est une mentalité qui est différente, mais c'est vraiment des passionnés de hockey. Pour eux, il n'y a pas beaucoup de joueurs de hockey, mais eux qui sont là, ben, ils trippent, là, puis c'est cool. Mm-hmm. C'est vraiment le fun de voir ça. Puis, tu te dis, crime, tu sais, là-bas, eux autres, ils trippent rugby, le football australien, fait que le jeu de physique, le contact, eux autres, ils aiment ça. Puis, il y a des bons joueurs de hockey quand même là-bas, tu sais, c'est surprenant. Puis, C'était vraiment un beau trip, là. C'était vraiment un beau trip. On a passé proche quand même de gagner, là. T'sais, on avait perdu en demi-finale, mais c'était au-delà de gagner, là, c'était vraiment le fun. Mm-hmm. As-tu pu voyager un peu dans le pays? On a voyagé un peu, justement, à d'autres peuples. On est tellement loin. On était vraiment dans l'ouest du pays. Fait que nous, c'était 4 heures, 5 heures d'avion à chaque fois quand on allait à Melbourne, à Sydney. Puis, qu'est-ce qui était quand même le fun là-bas, c'est que tu pouvais décider de rester. T'sais, mettons, tu jouais deux matchs là-bas. Tu n'étais pas obligé de repartir tout de suite. Tu pouvais rester un 3-4 jours à Melbourne, visiter, aller à Newcastle, ces choses-là. Fait que c'est ça qui est quand même le fun. On a pu voyager quand même comme ça. Puis même à Perth, là, on est allé à 4-5 heures sur le bord de l'eau, d'aller pêcher là-bas. C'est vraiment une expérience incroyable. Puis je me suis fait des amis là-bas. T'sais, quand je suis reparti, ça m'avait fait de quoi? Parce que les gars, quand on arrive là-bas, ben, ils sont tellement contents de... T'sais, un Canadien, un Américain, puis ils te prennent sur leur aile, puis c'était vraiment une belle expérience. T'es allé pêcher, t'as-tu vu des grosses bébites là-bas ou des affaires qui devaient être « Oh, je suis en Australie ici, je suis maintenant. » Dans ton salon, là, ça. Ah, mais c'était vraiment cool quand on pêchait, on était sur le bord, puis on était vraiment là, au sud complètement, là, puis... maintenant, on arrive, tu te sortes ta ligne à l'eau, tu pognes un genre de bébé requin, puis après ça, hop, l'eau, tu tires sa ligne, il y a une raie, tu sais, une grosse raie, puis là, après ça, tu as un gros saumon, tu sais, c'est juste sur le bord, c'est roche, comme ça, puis là, après ça, tu voyais des dauphins, puis là, après ça, tu sais, c'est... Puis là, quand tu arrives à la plage, ben t'as 5-6 pancartes de faites attention aux requins. Ça, c'est moins trippant un peu, mais c'est quand même spécial de voir ça. Puis c'était vraiment cool. Tu sais, toute l'eau, les arbres, tous les kangourous, tu sais, kangourous, tu sais, c'est pas des pancartes de chevreuil ou, tu sais, c'est vraiment zo, faites attention de pas frapper un kangourou, fait que, tu sais, ça, c'est quoi que, tu c'est pas, faites attention, c'est, tu rentres dedans, puis c'est moins pesant, les autres, là, c'est ça qu'ils te disent, là, fait que, si tu chauffes ton auto, puis un kangourou qui arrive, ben, évite-le pas, rentre dedans, parce que si tu l'évites, t'as plus de chances de te faire mal que... Ah, c'est pas un orignal. Ouais, c'est ça, c'est pas un orignal, mais tu sais, juste ça. Puis de manger du kangourou, ces choses-là. C'était vraiment une expérience. Puis tu sais, la beauté là-dedans, c'est que quand t'es en bas de 30 ans, t'as un visa, tu peux travailler. Fait que tu sais, tu peux travailler, mais je pense après ça, quand tu dépasses 30 ans, faut que c'est juste un visa de visite, là, quelque chose comme ça. Puis ben, ça te permet de travailler, faire nos affaires, gagner un petit peu d'argent. Puis
C'était parfait. C'était bien fait. C'était vraiment une belle ligue. Puis, je ne regrette pas. Ça a ton stamp of approval, ton étampe. T'approuves la ligue. Ouais, j'approuve la ligue. Puis, tu sais, je suis. Tu sais, si j'en parle des fois à des gars, puis, tu sais, si t'as rien qui te retient ici, là, go, vas-y. Puis, tu sais, c'est pas long, en plus, c'est trois. Tu sais, je suis parti, je me rappelle, quand on a gagné la coupe, justement, je pense que je suis parti trois jours après. Embarqué dans l'avion, je suis allé là-bas, la saison t'a commencé de deux jours. T'as-tu manqué à parade, ça veut dire? Je pense qu'on avait même pas de parade. Non, je pense qu'on n'avait même pas fait de parage. Je pense qu'on avait peut-être même fait une petite activité, mais j'avais pas été là, mais c'est une bonne question, je me rappelle même pas. Mais je pense pas qu'on avait une grosse activité. Puis c'est ça, je suis arrivé, il y avait deux ou trois matchs à jouer. Puis c'était vraiment. C'était le fun de voyager, de voir les autres arenas. Il y a des places que tu vas jouer, c'est dans. Tu t'habilles dans des vestiaires de piscine municipale, tu arrives là, c'est pas de. C'est des grilles tout le tour de la glace, c'est même pas des vitres. Le monde sont fous, tu sais, c'est un party, eux autres, là, là-bas. Puis, t'arrives à une autre place, tu sais, c'est des filets. T'es dans le milieu d'un centre d'achat, tu joues dans le milieu d'un centre d'achat, tu sais. Comme les Whalers à Hartford. Ouais, ben, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est des filets tout le tour. Fait que, tu sais, quand tu te fais frapper, ben, t'as pas l'épaule qui cogne dans la vitre, là. Ça cogne dans le filet, fait que ça te cogne les côtes, fait que. C'est tout le temps, en tout cas. C'est vraiment cool. C'est spécial à chaque fois. C'est drôle. Puis, l'arbitrage est différent. Le hockey, tu sais. Mais, tu sais, il y a des importés dans chaque équipe. Tu as un nombre d'importés que je pense c'est 4. Fait que, tu sais, toutes les équipes ont un nombre d'importés. Fait que, je pense Melbourne, eux autres, il y avait comme 4 Suédois. Puis, après ça, ben, tu sais, il y avait 2-3 joueurs qui avaient comme nationalité australienne, mais ils étaient canadiens. Fait qu'eux autres étaient plus forts un peu à cause de ça, tu sais. Puis, nous autres, on avait un gars de Montréal que ça faisait 15 ans qu'il restait à Peut. Fait que, mais il avait joué du hockey, tu sais. Il avait pas joué du gros hockey, mais tu sais, il était quand même bon. Mais tu sais, c'est toutes des choses de même qui sont drôles pareil. Il y a beaucoup de, tu sais, l'Australie, c'est populaire. Fait qu'il n'y a pas juste des. Il n'y a pas juste des tu sais, on avait justement, il y avait un Suédois dans notre équipe que lui était allé travailler en Australie. Puis finalement, ben, il avait décidé de rester là. Puis il s'était inscrit dans l'équipe de hockey. Puis finalement, ça avait fait. Donc, c'est des drôles d'expériences. Venez magasiner et regarder une de hockey par votre magasinage. Par la suite, tu as eu un autre petit intermède là, en France et en Allemagne. Tu as décidé de continuer un peu le trajet. Oui, c'est ça. C'est ça, quand j'étais en Australie, j'avais rencontré Dominique Jalbert. Dominique, je pense qu'il a joué un an là, pour Tatefeu. Puis il avait déjà joué un petit peu avant. Ouais, Saint-Georges aussi, il a joué un an à Saint-Georges, un an à Tatefeu. Oui, un an à Tatefeu, c'est ça. Puis Dom, lui, il jouait à Canberra. À Canberra, en Australie. Puis on avait eu un comme de match des étoiles une fin de semaine. Puis on s'était rencontrés là. Puis il disait, ah, moi, j'ai signé en Anglette en France. Fait que là, ah ouais, tu sais, il manque un gars. Puis là, je suis comme, ouais, mais c'est pas dans la grosse ligue, tout ça. Il dit, c'est pas grave, ça. Il dit, cette année, on essaie de gagner. Puis il dit, va voir sur Google. Fait que là, il dit, tape Arena Anglette. Je tape ça, c'est sur le bord de l'eau. Fait que là, je fais comme, bon, ben, appelle à ton coach, voir, puis ça m'intéresse. Non, mais c'est ça. Puis là, j'ai appelé le coach le lendemain, puis on s'est parlé, puis on a négocié le contrat. Puis, tu sais, je savais qu'on avait une bonne équipe aussi. Fait que là, je me disais, c'est sûr et certain que de retourner à Jonquière, j'aimerais ça. Mais là, j'ai l'opportunité d'aller, tu sais, quand même dans le sud de la France, vraiment dans une belle place pour voyager. Puis, tu sais, il y avait moins de matchs, justement, en Ligue Magnus. C'est super cool, mais tu sais, mon salaire n'avait pas bien, bien de différence avec la Ligue Magnus puis la Division 1. Fait que j'ai décidé d'aller là, puis tu sais, on a justement gagné la coupe pour justement monter l'équipe en Ligue Magnus. Fait que ça a été vraiment une belle année. Ouais. Puis tu sais, la ville, l'organisation A1, puis j'étais vraiment content de mon choix, là. Anglette, c'était sur le bord de l'eau dans le sud. Y avait-tu la plage? Oui, il y avait vraiment la plage. L'aréna, c'était vraiment là. Tu avais 8 ou 9 km de 8 ou 9 km de plage là, qui partait de l'aréna jusqu'à. Il y avait un terrain de golf. Le monde faisait du surf sur le bord de l'eau. C'est réputé pour le surf là-bas.
Puis on était à 45 minutes de l'Espagne, Saint-Sébastien, tu étais à quoi, je pense, 4 ou 5 heures de Madrid, 2 heures de Bordeaux. Tu avais vraiment, là, tu étais vraiment bien placé. Puis la température était incroyable. J'avais une maison avec un autre joueur, on entendait les vagues le soir. C'était parfait, là. C'était vraiment trippant. Puis le fait de jouer en division, on jouait un petit peu moins de matchs. Fait qu'on jouait un match par fin de semaine. Fait qu'on pratiquait, on avait notre match par fin de semaine. L'expérience était moins. T'sais, c'était oui, hockey, mais c'était plus les deux. Expérience de vie et hockey, en sachant qu'on allait probablement gagner. Là. Fait que, je comprends comment une recherche Google Maps a pu te convaincre. Je viens de le faire. Ouais, tu viens de le faire, hein, c'est quand même impressionnant. C'est à côté de Biarritz. Puis, Oui, c'est ça. Biarritz, Bayonne, c'est vraiment. Moi, sérieusement, c'est sûr que, tu sais, là, c'est ça que je dis à ma blonde, c'est sûr un jour je t'amène là-bas, là. Tu n'as pas le choix d'aller voir ça, c'est incroyable comme place. Je peux pas, tu sais, Biarritz, Bayonne, puis Anglette, qui est trois villes, qui est une à côté de l'autre, mais tellement différentes, tu sais, puis les festivals qu'il y a là-bas, tu sais, la culture, c'est vraiment avec l'Espagne qui est pas loin, tu sais, des fois, tu disais, bon, on va aller passer un après-midi en Espagne, tu arrives, tu prends l'auto, tu t'en vas là, tu sais. C'est pas, je m'en vais pas. Moi, je reste à Saint-Bruno dans un village de 2300 habitants. Quand je m'en vais à Alma à 10 minutes, je vais là pour aller au Walmart, là, mais là, c'est pas pareil. Là, je partais à 10 minutes, l'architecture était complètement différente. C'était vraiment l'expérience que je regrette pas. Puis j'aurais aimé rester là. J'aurais aimé en jouer là, mais l'organisation a décidé autrement. J'ai eu une petite blessure en fin d'année. Mais ça me faisait beaucoup de hockey là, un peu de temps aussi. Là, je venais de jouer avec les Marquis. On est deux jours après, je prends mon avion, je m'en vais en Australie, je fais la saison, on perd en demi-finale. Trois jours après, je monte en France. Oui, on ne jouait pas beaucoup, mais on pratiquait à tous les jours quand même. On s'entraînait quand même beaucoup là, en salle. Fait que maintenant, je pense que mon corps a cassé. Là, fait que, mais je suis revenu pour les séries puis ça a bien été. Et d'après, c'était une demi-année en Allemagne, puis t'es revenu avec les Marquis. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, j'avais le goût, tu sais, là, comme je te disais, je voulais peut-être aller en retourner en Anglette, ça n'a pas fait. fait que là, j'ai une offre d'aller jouer en Allemagne. J'essaie d'aller là. Le hockey, je suis super bon. Vraiment, ça, eux, surpris du style de jeu. C'est vraiment, tu sais, les Allemands, sérieusement, c'est pas pour rien que sur la scène internationale, ça va aussi bien, là, quand même, là, tu sais, il y a une belle progression. Leur façon de tu sais, leur division, tout ça, avec le, ben, tu sais, leur première ligue est vraiment bonne, là, tu sais, la DEL, après ça, t'as la DEL 2, je pense, puis moi, je vois comme dans le troisième niveau. Puis, tu sais, le salaire, c'était quand même bon, le hockey était quand même bon. Je me disais, crème, tu fais une bonne saison, là, des fois, tu sais pas ce qui peut arriver, tu sais. Puis finalement, ben, tu sais, on n'avait pas une. Tu sais, je venais de gagner une année avec les Marquis, je venais de gagner une année en France, deux années gâtées, puis en Australie, on avait une bonne équipe quand même. On avait fini, je pense, deuxième. Ou, tu sais, deux. En demi-finale. Ouais, on avait perdu en demi-finale, tu sais. Fait que je me rappelle pas au classement général, on avait fini où, mais on avait une bonne équipe aussi. Fait que là, tu sais, puis là, j'arrive en Allemagne, puis là, tu sais, on perdait beaucoup. Eux autres, il y avait plus une façon de penser que c'était comme, tu sais, gagner au pair, c'est pas grave. Tu sais, on est là pour développer les joueurs, mais tu sais, on développait pas vraiment personne. Fait que là tu sais, moi, que le coach, ça allait pas tant bien parce que, tu sais, j'étais comme, on n'est pas dans la bonne direction, là, tu sais. En ce moment, on n'a aucun système de jeu, on n'a aucun, tu sais, maintenant, c'est bien beau de dire, on se fait ouvrir, on touche pas à rondelle, tu sais, fait que... Là, ça arrive. Fait que là, je perds le goût tranquillement, tu sais. Puis j'étais tout seul de Québécois là-bas aussi, tu sais. L'autre Canadien qui est là, lui, est avec sa famille. Fait que, tu sais, je suis comme un peu tout seul là-dedans. Je me souhaite des amis, tu sais. Mais à un moment donné, je me pose la question. Bon, c'est-tu vraiment, tu sais, je suis ici pourquoi? Pour le hockey, mais je n'ai pas de fun. Fait que c'est là que j'ai décidé de revenir. J'ai rappelé, je pense que c'était Lucien Paquette qui était là. Puis Marc Boivin, Lucien Paquette, puis j'ai décidé de revenir avec les Marquis. Je pense que ça a été une bonne décision. Là, quand tu as plus de plaisir dans ce que tu fais à un moment donné, c'est bien beau d'être là-bas puis de vivre le trip de l'Europe, mais on joue au hockey pour avoir du fun. Puis,
puis tu sais, d'aller à l'aréna, puis d'essayer de performer, mais là, tu sais, quand t'as pas de fun, c'est dur de performer, puis là, ben, quand t'es là-bas, t'es loin de tout le monde, décalage horaire, tu sais, tu peux pas vraiment parler à personne, tu sais, parce que tout le monde, on est 6 heures de décalage, fait que, non, ça a été la bonne décision pour moi, ouais. Mm-hmm. Fait que depuis ce temps-là, retour avec les Marquis à la maison. Ouais, retour avec les Marquis, cette année-là, justement, c'était Benoît Graton qui était entraîneur... entraîneur-chef, puis je pense que cette année-là, on avait perdu en première ronde contre Sorel, on était revenu dans la série, là, la série des perdants, un peu, qu'on appelle, on avait battu Rivière-du-Loup, puis on avait perdu en finale contre Sorel, si je me trompe pas, fait que, tu sais, on a quand même, malgré tout, on a passé proche, tu sais, mais Sorel avait une bonne équipe, tu sais, il avait vraiment une bonne, avait des bons, une bonne défensive, il jouait quand même serré. Puis, vous aviez quand même sorti la grosse équipe qui avait fini premier au classement général cette année-là, le Thetford en demi-finale. Oui, oui, puis je pense qu'on avait remonté dans la série. Je pense qu'on perdait 2-1, je pense que ça avait fait 2-2, 3-2, ou je pense qu'on perdait peut-être 3-1 dans la série, puis on a réussi à remonter. Mais j'ai adoré mon année. T'sais, comme je te dis, là, t'en reviens au Canada. Avec les Marquis, tu sais, une place que je connais quand même très bien. Puis là, ben, crème, hey, on a une chance de gagner, là, let's go. Puis, tu sais, t'as une mentalité qui est différente. Fait que là, tu sais, j'ai repris le goût tranquillement pas vite. Puis, tu sais, ça a fait mal quand même de reperdre deux fois contre la même équipe, là. ça montre que t'étais peut-être bien pas de calibre cette année-là, mais on n'avait pas les réponses à leur système de jeu. Tu sais, il y avait vraiment ils jouaient serré, puis ça faisait pas. Hein. Surtout qu'à Sorel, on avait de la misère à gagner. Mais c'est ça, tu sais, on apprend après ça, on apprend de tout ça, puis ça a été une belle saison malgré tout. De 2016, quand tu étais arrivé pour la première fois avec les Marquis, à aujourd'hui, comment as-tu trouvé là, que peut-être le calibre de jeu a évolué dans la Ligue nord-américaine depuis? Ben, c'est sûr et certain que, tu sais... Plus, je l'ai suivi un petit peu la Ligue nord-américaine même avant de jouer. Puis là, depuis que je suis rentré, ben, c'est sûr que je trouve que ça patine. Là, il y a beaucoup de. On en parlait tantôt, il y a du talent. Là, on parlait de. Avant de rentrer en onde, là, on parlait de Goulet, qui Alexandre Goulet. L'année passée, il a fait une saison exceptionnelle. Puis, tu sais, ce joueur-là. N'importe où, tu sais, d'après moi, il a envoyé son nom n'importe où, puis, tu sais, que ce soit en Europe, il va être capable de se trouver un très bon contrat, puis Ligue américaine, puis c'est un bon joueur de hockey en crime, tu sais, des joueurs robustes, il y en a encore, mais, tu sais, ça patine, ça joue du hockey, il y a vraiment des beaux jeux, là, tu sais, j'avais des amis qui sont venus au match, justement, contre Saint-Georges, puis... ils ont été agréablement surpris du calibre de jeu, puis, tu sais, eux autres sont comme, « Hey, ça fait longtemps que je n'étais pas venu, puis je reviens la semaine prochaine, là, tu sais. » Mm-hmm. On ne joue pas, mais, tu sais, c'est eux autres, c'est leur prochaine, tu sais, des fois, entre les SAG et nous autres, ben, « Oups, tabarouette, Colin, OK, là, j'ai aimé ça, puis il y a des bons joueurs de hockey l'autre bord aussi, ça joue, puis il y a des jeux qui se font, tu sais, même si on ne pratique pas, on a beaucoup de vécu quand même comme joueur de hockey, comme on a beaucoup d'expérience, fait que ça fait en sorte qu'on est capable de... Ça fait en sorte qu'on est capable de s'en sortir là, avec notre expérience. Il y avait une petite question de Hugo Côte-Noir qui demandait « Crois-tu que la Ligue nord-américaine peut devenir la référence pour les hockeyeurs d'ici dans un avenir approché au lieu de s'exiler en Europe pour poursuivre leur carrière? » Ben, c'est une très bonne question. C'est sûr et certain que, tu sais... T'sais, nous autres, des fois, quand on, t'sais, souvent les gars, s'ils vont, mettons, après le parcours junior, ben ils vont universitaire ou dans East Coast, ben c'est sûr et certain que des fois, je pense que t'sais, c'est le fun d'aller voir un petit peu ailleurs. T'sais. Surtout, t'sais, on parlait de hockey, l'aspect hockey. C'est sûr et certain que t'sais, on parlait en Allemagne tantôt dans la meilleure ligue. Si t'es capable d'aller là et de signer là, ben. C'est beaucoup d'argent, tu sais, puis tu as la chance de vivre dans un autre pays, de voir d'autres choses, de manger autre chose, tu veux pas, tout ça, c'est trippant quand même, puis tu le fais un an ou deux, mais je pense que la Ligue nord-américaine, plus ça avance, plus les joueurs, tu sais, il y a des gros noms quand même, tu sais, quand tu regardes ça, tu sais, on parlait tantôt de Goulet, mais tu sais, un gars comme Yann Sauvé, qui s'est joué avec Koichel, Alexandre Picard,
C'est des gars qui ont touché à la KHL. Fait que, là, tu parles de Francis Barry à Saint-Georges. Avec des noms de même, tu te dis, ben, Krim, je pense que je vais aller m'essayer. Puis là, après ça, tu prends le goût parce que la Ligue, je pense que il faut faire attention encore de protéger encore plus nos joueurs parce qu'on travaille tout. Puis le but de tout ça, c'est de. On ne veut pas se blesser non plus. Des blessures, ça arrive, mais je pense qu'il faut faire attention aussi. Côté, peut-être des fois coup à l'eau, là, mais des fois dans le feu de l'action, on ne contrôle pas toujours ça, mais je pense que la Ligue, il faut qu'il fasse attention de ce côté-là parce qu'on a du talent, puis je pense qu'il ne faut pas que ça fasse peur aux joueurs d'ici de « Ah non, moi, jamais de ma vie, je veux jouer dans cette Ligue-là. » Je pense que ça serait plate pour les partisans, ça serait plate pour la Ligue. Depuis que tu es revenu quelques années, tu as aussi débuté une carrière dans le coaching avec les... Génois du Cégep d'Alma, c'est ça? Oui, ça fait 4 ans maintenant que j'étais avec les Génois. C'était au niveau collégial D1. En fait, c'est ça quand je suis revenu un petit peu là, de l'extérieur. J'ai toujours trippé. Quand j'ai connu là, justement là, Benoît Gros un petit peu, là, j'ai été coaché par Claude Bouchard à Midget 3, mais quand j'ai connu Benoît Gros, là, J'ai adoré sa façon de voir les choses comme entraîneur. T'sais, il nous a vraiment allé chercher le meilleur de nous autres. Puis là, à un moment donné, je me disais, crime, j'ai comme eu la piqûre de vouloir m'améliorer comme joueur, mais de. T'es gentil aussi, Dan, à part ça à Atlas. Mais c'est ça. Puis j'ai vraiment eu la piqûre de ça. Puis je suis allé aider à des camps, ces petites choses-là, des petits camps d'entraînement. Puis là, après ça, ben. J'ai vraiment la piqûre d'être dans le coaching. Fait que là, je fais ça depuis 4 ans avec le collège Alma. Cette année, on a une super de bonne équipe. Puis, tu sais, niveau collégial, là, on parle beaucoup du junior majeur, du junior 3A, mais je pense que, tu sais, le niveau collégial, c'est vraiment un niveau qui est le fun pour les jeunes qui n'ont pas réussi à percer dans le junior majeur parce que, tu sais, on s'entend que des fois, le hockey, ben pas parce que tu as 17 ans, t'es pas... t'es pas le meilleur joueur, que tu ne seras pas bon. Il y en a des joueurs collégiaux justement qui sont dans l'Union américaine ou qui réussissent à se faire une carrière en Europe, ces choses-là. Des fois, que, le hockey à 18, 19 ans, 20 ans, on comprend des choses qu'on ne comprenait pas à 16 ans. C'est vraiment plaisant. Nous autres aussi, à Allemand, on a de la technique policière. Fait, on a des jeunes, là, des futurs policiers. C'est vraiment le fun de voir ça. Ça fait 4 ans que je suis là, puis il y en a qui sont rentrés à Nicolette, sont revenus, il y en a qui vont rentrer dans des postes de police partout au Québec. Fait que, c'est vraiment le fun de voir ça. Tu rentres à 19, à 17 ans, un peu des fois, un peu comme un jeune ado, puis quand tu as fini à 19, 20 ans, ben, c'est un adulte. Là. Fait que, au-delà du coaching, c'est le fun. Je pense que c'est important. Là, un coach de hockey dans une vie d'un jeune, c'est important. Puis, je sais qu'on peut être marquant pour les jeunes. Tu joues avec les Marquis, tu s'entraînes avec Alma. Et est-ce que tu as un autre travail aussi avec ça? Ben, en fait aussi, je fais. On a un programme scolaire, nous autres aussi, qui s'appelle les Lynx du pavillon Wilbrod Dufour ici à Alma. Fait que nous autres, dans le fond, on est au centre Mario Tremblay là, à Alma. On est dans la même arena. Puis nous autres, on a 5 équipes à ce niveau-là, là, Benjamin, Cadet, Juvénile. Puis moi, je m'occupe des habiletés pour ces équipes-là. Puis aussi, tu sais, je suis comme un peu entraîneur d'une équipe avec un autre monsieur. Fait que, tu sais, je fais ça pas mal tout le temps de mes journées. Ben, en fait, je fais ça de mes journées. Là. Je pourrais pas faire d'autre chose, mais tu sais, il y a tellement d'équipes. Justement, il y a eu un challenge à Québec, là, un tournoi cadet et juvénile en fin de semaine. Puis... il y a tellement de monde, il y a tellement de jeunes, il y a de plus en plus de programmes de hockey qui se développent, puis ça prend des coachs, hein, fait que, mais non, c'est vraiment le fun parce que je trouve que, tu sais, on peut avoir un impact dans la vie d'un jeune, là, que ce soit sur l'Atlas ou en dehors de l'Atlas, puis moi, j'adore ça à chaque jour d'aller coacher mes jeunes. Un petit message d'Anne Malouin, là, qui dit... Ouais, c'est ça, le gros. Ouais, le gros joueur, dans quel sens, Dan? C'est ça. All right. J'ai des petites photos là, que j'ai trouvées sur ton compte Facebook.
rien de trop compromettant. Là, mais ouais, ok, c'est bon. Oh, c'est correct. C'est pas... Il y en a eu qui s'étaient pire. Ouais, ok. Mais non, je les ai pas mal toutes passées, sauf trois. Il y avait une photo là, avec les comets de Fort Wayne ici. Yes, ouais, c'est ça, avec les comets, le numéro, numéro 52. J'avais été changé, puis j'avais le numéro 25, fait que là, on a tourné. Moi, j'ai tout à l'heure 24, en fait. J'ai eu le 24, là, je suis arrivé dans une équipe, il n'y avait pas le 24, mais on est le 25. Je m'ai fait échanger de cette équipe-là, mais on est le 52, fait que... Comme là, présentement, ben, tu sais, quand Chris Lussier est arrivé avec les Marquis, justement, j'avais le 24. Puis là, il m'avait demandé pour avoir le 24. Fait que j'ai changé pour le 42. Fait que, Je pensais qu'il était retiré à Jonquière, le 42. Non, ils l'ont retiré pour Alex Kennel. Là. Lui, il pense que oui, là, mais... lui, il est sûr et certain que son chandail est retiré, mais non. ici, photo dans le désert. Ouais, en fait, c'était drôle, là. Dans le fond, ça, c'est une petite anecdote qui est arrivée quand je suis allé... Quand je suis parti en Australie, je parlais de visa de travail tantôt. je fais une escale à Dubaï, puis j'étais supposé arrêter comme 8 heures ou 9 heures. Fait que là, mais tu sais, c'était quand même facile de sortir de l'aéroport pour aller visiter, tout ça. Fait que je m'en vais voir le Burj Khalifa, la grosse tour. Puis finalement, quand je vais reprendre mon vol, mon visa est comme pas complété. Fait que là, il me dit, ah, tu peux pas y aller, tu peux pas aller en Australie, tu peux pas aller à peu. Ah ouais, ben là, je fais quoi? Fait que là, tu sais, t'es comme pogné là, tout ça. Fait que là, finalement, j'ai passé 3 jours à Dubaï au lieu de passer 8 heures. Puis ben là, je me suis occupé un petit peu, mais on va te dire, je la trouvais pas drôle quand que j'étais. Quand j'ai pris mon hôtel, puis le taxi venu me porter, mettons. Le nom de l'hôtel, je vais te dire Best Western. Fait que là, je m'en vais au Best Western là, mais finalement, je rentre là, il me dit ah non, il dit on n'a pas ta réservation. Fait que là, ouais. Il dit non, t'es au Best Western, mettons, Inc. On a fait de même. Fait que là, je fais OK, c'est bon. Fait que il dit il est juste au bord de la rue. Fait que je marchais avec mes bâtons d'hockey, ma poche d'hockey, ma valise, mon sac à dos, ouais. Dans Dubaï, à plus 40. Tu sais, puis là, je marchais, puis il était, je pense, 7 heures le soir, puis là, j'étais là. Ouais, fait que là, le monde était là, puis là, je rentrais à l'hôtel, je dis, c'est quoi ça? C'est quoi que t'as des mains, tu sais? Ah, ça, c'est des bâtons de hockey. Hockey, c'est quoi hockey? T'sais, les autres, ils pensent hockey sur gazon, sûrement, tu sais, mais je les expliquais, mais tu sais, c'est comme, le monde devait se demander ce que je faisais là, puis même moi, je me demandais ce que je faisais là, mais c'est dans l'hockey, c'est ça qui est drôle un petit peu, des fois, des expériences inattendues. C'est pas la place qui doit avoir le plus de glace non plus à Dubaï. Ah non, c'est vraiment pas la place. Puis tu sais, c'est spécial pareil parce que quand t'arrives là-bas un petit peu, tout est air climatisé. Dans l'aéroport, air climatisé. Tu prends le métro, air climatisé. Métro, centre d'achat, gros centre d'achat, je pense que 5, 6, 7 heures, air climatisé. Puis là, quand tu sors dehors pour la première fois, là, ça saisit. Là, t'as la ouette, puis là, tu te dis, bon, ben, je vais aller manger, puis prendre, j'ai une faire 15 heures d'avion, je vais aller prendre une petite bière, puis manger, décompresser. Là-bas, il n'y a pas d'alcool, fait que là, tu prends un Pepsi, puis c'est ça. Mais, tu sais, c'est quand même des expériences qui sont quand même drôles, mais sur le coup, là, c'était un petit peu moins drôle, mais tu sais, à Dubaï, je peux pas me plaindre non plus. J'ai un petit update là, à propos de ton numéro aussi. Là. Quelqu'un qui nous a écrit. Ah, tu voulais le numéro de ton idole? Ouais, c'est ça. Ah, c'était qui? C'était Brian Savage dans le temps du Canadien 42, non, c'était pas. puis j'avais une petite photo ici, là. Je pense que c'était un voyage au Mexique, c'est ça? Ouais, un petit voyage au Mexique, ouais, avec des amis après une année. Après une année là, dans East Coast, là, mais c'était vraiment c'était juste drôle avec le monsieur parce qu'on ouais. Disait qu'il ressemblait à Phil, mais mon ami qui est à côté. Mais ouais. Non, c'est ça. C'est toujours le fun. Avec le hockey, ben, au-delà des pratiques, des matchs, des victoires, des défaites, c'est les rencontres qu'on fait.
Puis, les voyages aussi, tu sais, ça nous a permis de voyager. Puis, moi, j'ai pas joué dans la NHL, mais dans la Ligue américaine, mais tu sais, j'ai fait mon bout de chemin. Puis, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'ai jamais été le gros joueur de hockey au niveau Pee-wee, Bantam, ces choses-là, mais j'ai tout le temps travaillé fort, tout le temps eu du plaisir à faire ça. Puis, finalement, ben, ça a fait de moi ce que je suis là. Puis, le hockey est une grosse partie de ma vie. J'en fais tous les jours. Fait que je suis content de ça. Puis j'espère que cette année, ça va bien virer pour les Marquis. Puis, je suis pas inquiet si on continue comme ça. Ça peut juste bien aller. Là. Yes. Fait que pour terminer, j'ai un petit questionnaire, question rapide. Oui. Donc, première chose qui te vient en tête, tu réponds. Donc, ton premier souvenir de hockey, donc ta première fois que tu as premier souvenir, ben, je vais t'en dire deux rapides. Là, dans le fond, tournoi Pee-wee de Québec, on a perdu en demi-finale, vraiment une belle expérience. On avait joué tout le temps au Colisée. Puis l'autre chose, au niveau Pee-wee, on a gagné la coupe Chrysler dans le temps, qui était en prolongation. Fait que ça a été deux moments marquants là, dans ma jeunesse. Parfait. Ensuite de ça, dans le fond, tu as changé plusieurs fois de numéro, là, comme on a pu le savoir. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu portes certains numéros? Ben, en fait, non. Quand je suis arrivé justement à Gatineau, j'avais le 24 à ma place. Puis, tu sais, après ça, j'ai eu 3 ans et demi. Fait que ça a été tout le temps. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais. Merci, Jean, c'est gentil. Oui, on avait dans l'année Pee-wee 2B, Jean Bouchard était mon entraîneur-chef. On avait eu quand même une belle année. Cette année-là, on était supposé justement aller au tournoi Pee-wee de Québec. Puis finalement, je me rappelle, moi, c'était l'année d'avant que j'étais allé, puis ça n'avait pas fait. On était quand même déçus parce que c'était une expérience que moi, j'avais déjà vécue, mais que d'autres n'avaient pas vécue. Fait que c'était quand même plate pour des petits Pee-wee. Mais non, c'est ça, j'avais eu dans le fond le 24, puis j'ai tout à garder ce numéro-là après ça parce que, ben, tu sais, j'ai vécu 3 ans et demi avec. C'est des belles années à Gatineau. Puis à un moment donné, ben, c'est ça. Tu sais, j'avais pas le goût de changer vraiment pour d'autres. Puis après ça, ben, quand je suis retourné au niveau, je pense à Gwinnett, j'avais le 9. Fait que, tu sais, je trouvais que le 9, il n'y avait pas le 24. J'ai pris le 9 parce que ben, je trouvais ça beau comme numéro. Puis après ça, ben, le 25, ça, c'est pas que je le voulais. Le 52 non plus. Mais l'année d'après, ce qui est drôle, c'est que le 52, Michael Tam, il avait signé lui à Fort Wayne. Il m'avait appelé durant l'été, il m'avait dit « Hey, je veux le 52. » Ben, c'est beau, moi, je vais reprendre le 24. Fait que j'ai pris le 24 cette année-là. Fait que c'était drôle un petit peu, mais non, lui, il voulait le 52. Ben, c'était drôle que tu donnes ton numéro à Cloutier, Tam, il arrive cette année. Il dit, je peux-tu... Ouais, c'est ça. Tu sais, là, c'est finalement un échange à trois, tu sais. Yes! Ouais, ton idole au hockey, ou ton joueur préféré? Ben, quand j'étais plus jeune, là, je ne te cacherais pas que quand j'écoutais le Canadien, c'était vraiment pas pour ses prouesses hors de glace, là, mais plus sur ses prouesses sur la glace, c'était Mike Ribeiro. J'aimais vraiment Mike Ribeiro, je trouvais vraiment qu'il avait des mains magiques. J'aimais vraiment sa patience avec la rondelle. Puis c'était vraiment mon joueur quand j'étais plus jeune. Sinon, quand j'ai commencé à grandir, ben justement, il a été échangé aujourd'hui, ça a été Patrick King. Mm-hmm, ouais. Enfin, ça a été comme vraiment le premier, là, sans dire le premier de. T'sais, le joueur skill, mais c'était un joueur qui était quand même clutch dans les moments importants. Il était vraiment. C'était grave de faire les gros jeux au bon moment. Puis ça a été mon joueur pendant. Ben, jusqu'à maintenant encore. Puis j'ai hâte. C'était plus plate un peu dernièrement d'écouter les matchs. Mais là, je pense que ça va être le fun d'écouter les matchs des Rangers. Ouais, et. C'est dur d'être plus clutch qu'un but gagnant en OT. Ouais, vraiment. Puis, dans les moments, des fois, qu'il perdait les séries ou que ça perdait le match dans une série importante, là, lui, il allait chercher un gros jeu. Puis, ça a tout teinté mon joueur. Puis, quand tu regardes un petit peu, des fois, Matthews, ben, tu vois un petit peu Austin Matthews qui peut le contrôle de rondelle à Patrick King. Puis, j'ai tout le temps adoré ce joueur-là. Parfait. Ton athlète préféré en dehors du hockey? Mon athlète préféré, c'est une bonne question. Je regarde beaucoup le soccer. Puis avec la dernière Coupe du Monde, ben, j'ai encore plus de respect pour Lionel Messi. Je pense que ce joueur-là est juste incroyable. Là, c'est au niveau
tout ce qu'il fait sur le jeu. Tu sais, c'est moi, j'adore écouter un match quand il est là, parce que je trouve que quand tu dis c'est un joueur de talent, mais avoir autant de pression à chaque match, lui, faut qu'il performe tout le temps. Puis tu sais, à la Coupe du Monde, on l'a vu, là, c'était pas juste l'équipe, c'était le pays, là, c'était vraiment, puis lui, c'était vraiment, tu perds, t'es le pire choker, puis tu gagnes, t'es l'idole d'un peuple, puis il mérite, mais ça, c'est vraiment un joueur que, c'est vraiment un athlète que je trouve que, tu sais, avoir autant de pression depuis qu'il a 17-18 ans, puis de livrer la marchandise année après année, ben, tu sais, chapeau. Ça me fait penser, on a quasiment un background aux couleurs de l'Argentine. Ouais, en plus, ouais. T'as-tu une routine d'avant-match? Oui et non. Je pense que, tu sais, je fais mes choses, tu sais, je vais m'occuper de mes bâtons, je fais mes choses, mais tu sais, je pense que j'aime ça beaucoup jaser avec les gars, tu sais, on se voit pas beaucoup, hein, la gang, fait que juste de prendre le temps des fois de juste parler 2-3 minutes avec un gars, ou ok, puis ça a été comment ta semaine, ces choses-là. Puis après ça, ben, je pense que, tu sais, plus ça avance après ça jusqu'au warm-up, ben là, quand il reste peut-être 15, 18, 16 minutes environ, là, tu sais, là, un petit stretch, ces choses-là. Puis après ça, bien, on commence à rentrer dans notre match tranquillement. Puis, tu sais, je pense que c'est important d'avoir toujours du plaisir, mais de penser à notre match, c'est important. Parfait. Ton coéquipier plus drôle avec les Marquis? Mon coéquipier plus drôle avec les Marquis? Ben, tu sais, on a une couple de drôles de moineaux, là, tu sais, Gab Verpas, quand même très drôle, Picard, tu sais, quand tu le connais pas trop, tu sais, quand même un gars qui est costaud, qui a touché à NHL, tout ça, mais tellement de bonnes personnes, il est capable d'en prendre, il est capable d'en dire aussi, puis... c'est le fun d'avoir ce gars-là dans une chambre. Parfait. Le meilleur joueur avec qui t'as joué? Le meilleur joueur avec qui j'ai joué? Danick Malouin. Non, le meilleur joueur avec qui j'ai joué, c'est une bonne question. Ben, tu sais, c'est sûr, pour avoir joué avec Pajot, tu sais, je trouve que, sans dire le joueur avec le plus de talent, tu sais, c'est le joueur le plus complet, peut-être, là. Le plus fighter, il est vraiment smart, il sait où aller sa glace, il anticipe bien le jeu, lui, ben, quand tu joues contre, ben, ça va être dur de le battre, là, c'est pas pour rien qu'il est là non plus, là, mais j'ai vraiment aimé ça, jouer avec, puis Kenel, j'ai toujours aimé ça. Mais il veut plus jouer à mon cœur, fait que il y a une question de Stéphane Dubé là, qui dit Rangers contre Islanders, tu prends-tu pour ton idole Kane ou pour ton chum Jean-Gabriel Pajot? Oh, crème! Ben, c'est sûr et certain que... C'est sûr et certain que Kane, ben, j'aimerais ça pour les Rangers, j'aimerais ça pour lui, mais tu sais, moi je pense que Pajot... Je pense que Pajot va être capable comment on pourrait dire ça, de le contrôler, là, de jouer contre lui, puis de réussir à le limiter dans ses points, là. Fait que, c'est sûr que ce sera une belle série à écouter, là, parce que les Rangers ont beaucoup d'offensives, tandis que je pense que les Islanders, ils ont quand même une équipe bien balancée, là. Mais ça serait, c'est sûr que ce serait une série à regarder, là. Ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine? Ben, ça, je veux dire la coupe à ma première année. Oui, c'est dur à battre. Ton repas préféré? Mon repas préféré? Ben, moi, tu sais, j'aime bien ça manger, justement, là, quand on voyage un petit peu, des fois, d'aller manger des tacos là, dans une place mexicaine comme ça. Là, tu sais, je suis... Sinon, je tripe sushi, des bons steaks, mais quand je voyageais, j'aimais ça vraiment là, essayer des une place, tu sais, quand t'es justement au Mexique, c'est le fun d'essayer. Tu vas dans la ville un peu, t'essayes des choses de la bouffe typique de là-bas. Mais pas vraiment de un bon tomahawk là, sur le Camado, je dis pas non. Longtemps, je mangeais des tacos, tu me donnes le goût, en tout cas. Ton film préféré? Ou série?
Mon film préféré, ben, c'est sûr, tu sais, en étant un peu, tu sais, je vois Dorkin même, c'est sûr, j'ai tout le temps trippé sur le film Miracle. Je trouve que c'est un film qui est quand même, c'est une histoire vraie, c'est ça qui est cool aussi, là, mais tu sais, j'ai vraiment, quand j'étais plus jeune, là, c'est un film que je pouvais écouter 2-3 fois par année. Puis, c'est sûr que quand je réécoute, là, c'est toujours un petit moment spécial. Parfait. Puis, si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait qui? Un artiste en show, ben moi, c'est sûr et certain que j'aime bien Mumford & Sons, le groupe de musique. Je les ai vus une fois en show à Montréal. Puis, ça serait vraiment la... J'aimerais ça vraiment y retourner, là, en espérant qu'ils se présentent à Québec cet été. Non, c'est vraiment un groupe que depuis, ça fait peut-être 10 ans que je les écoute, là, intensément. Puis, album après album, là, je suis pas déçu. Fait que ça serait vraiment le groupe de musique, là, que j'aimerais aller voir en show. Parfait. Fait que ça fait le tour de mes questions. Donc, pour conclure, un petit message pour les fans des Marquis. Ah oui, c'est vrai. Ouais, une petite question du... Il y avait Yann Gaudreau qui voulait savoir si tu pratiquais un autre sport à part le hockey. Tu parlais de soccer. Est-ce que tu pratiquais... Ouais, ben, dans le fond, tu sais, l'été, je jouais à balle. Après ça, golf. Soccer, là, j'avais recommencé. J'avais arrêté un petit bout. Là, j'avais recommencé... à jouer. J'ai pas joué l'année passée, mais c'est un sport que j'adore. Je trouve ça le fun côté je trouve ça côté technique, là. Côté positionnement, côté technique, j'aime ça. Je trouve que l'été, c'est un sport qui est le fun à jouer dehors. J'ai joué beaucoup de hockey, mais là, plus dur un peu, là, ce côté-là. Mais non, j'aime ça rester actif quand même, là, de jouer de la balle l'été, puis au golf, là, c'est quand même les deux sports que je fais beaucoup l'été. All right. Puis, il y avait une petite dernière question aussi qui parle d'un gars de la région. C'est, la question, c'est aimerais-tu voir Antoine Roussel avec les Marquis de Jonquière? Mais je dirais-tu. Ah. Ben, c'est sûr et certain. Antoine, les années justement qu'il était avec les Stars, je pense qu'il s'était cassé la main. Puis, il venait pratiquer des fois. Ben, on pratiquait. On avait des morning skate des fois, là, les années Richard Martel. Il nous louait on avait la glace le matin, les gars qui étaient là, ils venaient. Puis, tu sais, moi, en étant de la région, ben, je venais patiner un petit peu, puis Antoine était là. Puis, tu sais, j'ai appris à connaître Antoine, puis c'était bien une bonne personne, tu sais. C'était un gars qui est vraiment terre à terre, mais il a tellement travaillé fort, tu sais. Je me rappelle les années qu'il est rentré avec les Saguenay de Chicoutimi, personne ne le connaissait, puis. C'est avec son éthique de travail, puis c'est un malade d'entraînement, puis lui, il n'est jamais battu, là, tu sais, si tu bats Antoine Roussel, c'est parce que je sais pas comment t'as fait, là, mais lui, il va réussir à se relever, puis à essayer de fighter, puis tu sais, c'est vraiment, c'est plate qu'il n'y a pas de contrat dans la NHL, mais c'est sûr et certain que ça serait un atout, ça serait vraiment une belle atout pour les Marquis, là, mais... Je rajouterais ma question. Crois-tu que c'est quelque chose qui se pourrait un jour? Se pourrait un jour, peut-être. Là, je sais que là, tu sais, il y a quand même une business ici. Là, je pense qu'il y a une érablière, puis ça prend beaucoup de temps. Peut-être qu'une année, tu sais, il y a eu des blessures dans les dernières années. Peut-être qu'une année sabbatique comme ça, pas de hockey de haut niveau, va faire du bien peut-être à son corps, peut-être bien repenser à ces choses, mais. C'est sûr et certain que ça serait vraiment, vraiment trippant pour les fans, tu sais, de voir Antoine Roussel avec les Marquis Jonquière pour la Ligue. Mais on va respecter sa décision. Si ça n'arrive pas, ben, je pense que, tu sais, son parcours, là, il est vraiment, c'est un exemple pour tous les jeunes, là, que des fois, hop, ça va pas bien, je vais abandonner. Non, abandonne pas, travaille plus. Retourne-toi et mange, travaille plus fort, tu sais jamais ce qui peut arriver. Puis Antoine Roussel, c'est l'exemple parfait. Parfait. Donc, sur ça, je te remercie d'être venu. Peut-être juste un petit mot pour les fans des Marquis qui nous écoutent ce soir. Ben, les fans des Marquis, tu sais, je pense que depuis le début de l'année, on a quand même une des meilleures foules dans la Ligue. Là. Pas pour rien, rien enlevé aux autres équipes, mais on a beaucoup de monde à chaque match. On est bruyant. Je pense que cette année, on va essayer le plus possible là, de se rendre plus loin. On va avoir besoin de vous autres, ça c'est sûr et certain, parce que je pense que quand le Palais des Sports est rempli et bruyant, c'est intimidant.
Puis merci d'être là à chaque match. Puis comme dans la victoire, dans la défaite, on va essayer de toujours rester respectueux quand même. Hein. Non, c'est des petites blagues, mais tu sais, quand on, peu importe ce qu'on va jouer, des fois, il y a des petits objets qui se font lancer, là, des fois sur les joueurs, puis des fois, ça dépasse un petit peu les limites, mais il faut faire attention avec ça, mais c'est correct. Non, des partisans intenses, c'est des partisans qui sont comme leur équipe, mais sinon, ben, tu sais, merci d'être là chaque match, c'est vraiment le fun. Tous les joueurs dans la chambre, là, ils sentent l'énergie, puis on va avoir besoin de vous autres plus que jamais, là, pour le reste de l'année. Yes. Donc, merci Christian Ouellet de t'être prêté au jeu. Très bonne entrevue, Tavares. Ça a jasé quasiment 1 heure et demie de temps. Je pense que c'est l'entrevue qui était la plus longue au podcast depuis le début. Oui, encore là, OK. Non, ben, c'est positif. Là. C'était un bon raconteur. Pour ceux qui ne connaissaient pas Christian Ouellet, maintenant, ils savent que. T'es un bon raconteur. Ouais. Ça facilite notre tâche parce que des fois, il y en a que il faut essayer de pousser pour sortir de l'information. Ouais. Mais toi, on pose une question. Je suis décollé. Hein? c'est parfait. Voilà, merci, c'est gentil. Lâchez pas, les gars. C'est cool quand même que ce que vous faites, là, vous n'êtes pas obligé non plus. Puis je pense que c'est le fun pour tous les partisans. Puis c'est une ligue qui. C'est une ligue, je pense, que est à découvrir là, pour le monde des fois qui ont peut-être peut-être une mauvaise pensée là, à la Ligue nord-américaine, mais on a une belle ligue d'hockey et on est chanceux de l'avoir ici. Là. Fait que lâchez pas, je pense que c'est important la job que vous faites. Merci Christian Ouellet de ton temps. Puis les gens dans le chat aussi, là, depuis tantôt, je voyais ça passer. Ils sont très contents là, de ta venue sur le podcast. Disent tout que. C'est un bon gars, volubile, tout ça. Lâche pas Christian. Donc, merci. Merci. Et bonne fin de saison. Merci beaucoup, vous autres aussi. Merci. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Très bonne entrevue, c'était le fun. Il nous reste encore un segment, là, avec Hubert Poulin, fait qu'on va enchaîner vite. J'avais un petit quiz de prête. On va le faire vite. Puis après ça, je pense qu'on va enchaîner avec Hubert Poulin. Parce que là, le monde, il est mort du soir. Le monde travaille demain. Ouais, c'est ça. Il garde le temps. Ouais, fait que je vais juste faire mon petit quiz. Puis après ça, on va enchaîner avec Hubert. Puis, la semaine prochaine, on parlera des matchs là, la fin de semaine. Puis du classeur. Puis tout ça. On a parlé là, de l'année que Christian Ouellet est rentré dans la Ligue nord-américaine, qui a connu une super saison, fait 53 points, fini dans les meilleurs marqueurs de la Ligue, gagné le titre de recrue offensive de l'année dans la Ligue nord-américaine. Puis en regardant ceux qui avaient déjà gagné ce trophée-là, il y a un joueur qui a gagné le titre de recrue offensive dans la Ligue nord-américaine en 2004-2005, qui est toujours actif dans la Ligue. C'est qui ce joueur-là? Donc, c'est qui le joueur qui a gagné le titre de recrue offensive de l'année dans la Ligue nord-américaine en 2004-2005 qui est toujours actif dans la Ligue? Toujours actif. Pas Kevin Coutier? Non, Kevin Coutier est rentré avant ça. Ah, c'est vrai, il est rentré en 1982-12, quelque chose de même. Hein? Ouais. Y a Yann Joseph. Non. Alexandre Tremblay. Félix Allaire. Non. Alexandre Kennel, je pense pas. 2004. Non plus. Il est un peu jeune, Kennel. Martin Duval, il est arrivé avant ça, je pense. Non plus. C'est un joueur qui évolue toujours cette saison. Il joue toujours cette saison. En 2004. En 2004. Gabriel Coulombe qui écrit Chris Cloutier. Non. Non. Tiffu est arrivé plus tard, c'est pas la bonne réponse, Francis Veilleux. Ouais. Éric Lapointe, je joue plus.
En 2004-2005. Il a massé, David Massé. David Massé est arrivé un petit peu plus tard. OK. C'est un joueur, dans le fond, qui a joué une saison. C'était pendant l'année du lockout. Il a joué une saison. Il est parti en Europe puis aux États-Unis. Puis après ça, il est revenu en 2017-2018, si je ne me trompe pas. Il est revenu dans la Ligue américaine. Puis là, il joue depuis ce temps-là. Quand il est revenu en 2017-2018, il est revenu avec Tedford. Ah! Il est plus avec Tedford. Je viens de le voir, la réponse, c'est James Desmarais. J'ai aimé Gauthier qui l'a dit. Non, c'est James Desmarais ne joue pas cette année. Non. Ah, non, c'est un joueur Houston. Ah, il n'a pas joué de game cette année. Je ne pense pas, non. Ah, tabarouette. Ouais, il y a quelqu'un qui l'a Ben oui. Il jouait avec le Saint-François de Sherbrooke son année. Oui, exact. Je vois que le Saint-François de Sherbrooke. Ouais. Jean-Michel Daou, donc le premier que j'ai vu dans le chat, c'est Francis Pommier. Et Félix Dallaire aussi qui l'a eu. Félix Dallaire que je salue d'ailleurs, je l'ai vu vendredi à Thetford Mines. Et puis ouais, ça, c'est le Saint-François de Sherbrooke. Oui, donc Jean-Michel Daou qui est toujours actif avec les Pétroliers du Nord, justement, a marqué un beau but. Samedi à Sorel. Donc, toujours. Ah, c'était un bon quiz, ça, mon Dave. C'était bon. Je pense que le monde, ils l'ont aimé aussi. Yes. Fait que, voilà. Alors, on peut faire notre petite. Le podcast n'est pas fini. Ça, on va faire notre petite. Tu reviens-tu dans une demi-heure dire salut ou. D'après moi, le podcast va finir quand l'entrevue avec Guy Poulin va finir. Bon, à moins que toi, tu sois. Ouais, je sais pas si le monde a des questions pour nous autres ou. M'a laissé ouvert, ça c'est sûr. Mais ouais. On a peut-être besoin de précision. En tout cas, on va laisser aller ça. Là. Donc, petite entrevue hier avec Hubert Poulin. Qui était très intéressante. En direct de son club de boxe. Ouais. Il y avait la présence d'un autre joueur de la Ligue aussi, Will Breton, là, du School FM, qui était pas trop loin. Donc, merci à tout le monde. En tout cas, moi, je vais revenir là, pour vous dire un petit salut. Donc, sans plus attendre, et voilà, on envoie la sauce. Yes. Donc, on est avec Hubert Poulin, alias Bombay des Marquis de Jonquière. Ça va bien, Hubert? Oui, ça va super bien, vous aussi. Faut-tu t'appeler Hubert, Bombay? J'aime mieux Bombay. Bombay. On va commencer avec ça. Moi, peut-être que tu as déjà raconté l'histoire, mais moi, je ne sais pas, ça vient d'où, Bombay? Ben, Bombay, ça, là, c'était mon goaler, Midget Espoir, là, qui m'avait surnommé comme ça. Là. Je pense que ça venait dans les Mighty Ducks, là, fait que... Ah. Elle a resté plus longtemps. Ouais, Colin Midget, ça fait un bout. Mais Bombay, c'était le coach, ça, par exemple. Ouais, c'était Gordon Bombay. Ouais, c'était le... Ouais. J'aurais jamais pensé que ça venait des Mackinac. ils ont copié mon surnom puis ils ont sorti de l'alcool avec mon surnom à ça. Ouais, ah ouais, c'est ça. En plus, tu es un fan de gin au moins ou. Ah, oh, j'aime bien ça. Un petit gin, un petit Bombay. Ouais, ça doit être cool, alors, la bouteille avec ton nom. All right. Et il l'écrit pareil comme je l'écris. En plus. Donc, ouais. Bombay, on te recevait sur le podcast. Là, on voulait parler un peu de ta carrière, ton retour, un peu de boxe aussi, pourquoi pas. Tu es présentement dans ton gym en plus. Ouais, ben là, c'est ça. J'avais des cours. Là, fait que là, c'est pour ça qu'à soir ça fitait bien. Là, demain, je finis à 9. Fait que ça aurait été plus compliqué demain. Il y aurait eu du bruit pas mal autour de moi. Ça aurait été plus dur de s'entendre. Puis la boxe présentement, c'est-tu ta job de tous les jours, la vie de tous les jours, en étant entraîneur de boxe? Ouais, ben j'ai mon club ici à Saint-Georges-de-Beauce. Je fais ça à temps plein. Là. Dans le fond, là, ça fait plusieurs années là, que je roule ma bosse. Là, puis, sérieusement, là, je suis en train de monter de quoi de solide, là, l'équipe de compétition, puis aussi l'équipe monsieur, madame, tout le monde. Là, j'essaie de monter ça comme je suis en général. Je suis une personne, je suis un gars de cœur, je suis un gars de famille.
Puis ici, c'est ma deuxième famille. Autant que c'est ma deuxième famille quand je vais au hockey. Fait que j'essaie de bâtir de quoi. Puis je pense qu'on est pris au sérieux partout qu'on va se battre à cette heure-là avec mon équipe de compétition. Là, je pense qu'on fait jaser puis on est à prendre au sérieux par tout le monde à cette heure-là. Fait que, c'est ça qui est, au début, tu pars de rien, puis tu montes ton équipe de boxe, puis tu te promènes dans les galas. Fait que là, à force de se battre à gauche, puis à droite, puis partout dans le Québec, ben là, je pense qu'on est en train de se faire respecter par tout le monde. Là. Ça a été un petit peu comme j'ai fait partout dans ma vie. Là. J'ai essayé je suis parti de loin, puis à venir la personne que je suis aujourd'hui, puis je pense que le mot respect, ben je pense que je peux dégager ça, puis sinon, ben, si je ne le dégage pas, ben, sinon je suis capable de l'enseigner, le respect, là, un peu à tout le monde. Puis, je pense que tu es un élève assez connu dans le domaine de la Ligue nord-américaine, en William Breton, un autre gars de la Beauce. Parle-nous donc de Will un peu, de comment est-ce qu'il se débrouille hors de la glace dans ton club. Ben, Will, je ne te cacherai pas si ça ne serait pas du hockey, ben, je pense qu'on pourrait faire de la compétition internationale puis l'amener à un niveau, là, un haut niveau. Là. Will, s'il boxerait à l'année, c'est sûr que lui, jumeler le hockey avec la boxe, c'est plus difficile. Mais sinon, je courrais les compétitions avec Will, c'est sûr là, qu'on serait capable de boxer avec l'élite. Des fois, ça me gosse un peu même qu'il soit au hockey. J'aimerais l'avoir plus souvent sur mon bord, mais... Surtout là qui est rendu dans l'autre équipe, là. Fait que, ou c'est moi qui ai dans l'équipe, là, ça dépend comment on voit ça. Là, mais... ouais, c'est... Will, c'est tout un athlète. En premier lieu, c'est un ami de plus longue date aussi. Puis, il fait partie des meubles, il fait partie de la famille. Fait que, je suis bien content de l'avoir ici. Puis, je suis content aussi de pouvoir le mettre sur mes galas. J'aimerais ça aussi pouvoir aller faire une compétition. Hein. Pour aller me comparer un petit peu aux autres athlètes de haut niveau, parce que Will, c'est un athlète de haut niveau, puis je pense qu'on pourrait aller très loin dans la boxe aussi, là. Mais ça vient dur des fois de jumeler le hockey et la boxe, c'est souvent au hockey, on va se tenir un petit peu plus pesant, tandis qu'à la boxe, on va se battre au plus bas qu'on peut descendre pour être le gros de la catégorie. C'est différent, mais tu sais, je te dis pas que quand tu fais la boxe, ça te manche pour le hockey, puis le hockey pour la boxe, c'est différent, mais tu sais, ça reste que c'est du sport, puis quand tu fais un sport, ça complète souvent un autre sport. Que... Tu parlais de gala, ben, tu viens de nous dire que c'est ton gym, puis tu entraînes des boxeurs, mais est-ce que tu es aussi gérant? Est-ce que tu organises des galas avec tes boxeurs, avec d'autres gyms, ces affaires-là? Oui, dans le fond, l'année passée, on avait fait un gros gala à la maison. Justement, là, Will s'était battu sur ma carte de boxe. Là, puis ça avait été un beau succès. À l'Arena de Saint-Georges, je n'avais pas eu, ça faisait 10 ou 12 ans. Puis, il y a eu au-dessus de 2000 personnes. Là, tu sais, le chat qui était venu. Puis, tout le monde a trippé l'expérience, autant les boxeurs que les coachs puis les spectateurs ont aimé l'expérience. Là, fait que c'est sûr que le 26 mai, si vous n'avez rien, les gars, mettez ça à votre agenda là, à Saint-Georges-la-Beauce. Il va y avoir tout qu'un show à l'arena. Ça va être aussi plein que la série Marquee Cool FM qui s'en vient ce printemps. On voit ça va être un beau complément pour amener tout ce monde-là à l'arena. Yes. Je voulais remonter un petit peu là, au début de ta carrière. J'ai vu dans des entrevues que tu avais joué avec un peu dans la queue là, avec les Foreurs, les Remparts. Mais je pense que tu as un camp des Foreurs, là, que c'est là que tu as découvert un peu que tu avais une carte de plus dans ta manche là, en tant que joueur de hockey. Ouais, ben c'est sûr que je l'avais tout le temps eu. Pas sur la glace, cette petite carte-là, là, que j'étais capable de donner ma bosse avec mes points. Mais moi, je me souviens, quand j'étais allé au camp à Val-d'Or, moi, j'avais dit à tout le monde, je vais me battre. Là. Moi, c'est sûr que je vais me pogner. Quand j'étais arrivé là-bas, là, ça s'est pogné. Là, justement, Bordelot, il était là, à ce camp-là, à Val-d'Or. Fait que là, à un moment donné, je pense, non, c'est pas lui, c'est Pichet qui était rentré dans la chambre. Puis là, il avait dit, là, arrêtez là, de vous battre avec les casques. Tout, enlevez vos casques quand vous battez pour vous faire mal aux mains. Puis tout, c'était les games entre équipes, là, au début. Là. Puis, tu sais, moi, j'étais un fan de la Ligue nord-américaine. Moi, Joël,
L'animal, c'était. On allait le voir avec notre petit slush, puis Ben Slush avec Kevin Veilleux dans les estrades, puis on allait au hockey. Fait que je l'ai vu enlever son casque et se poigner, je sais pas combien de fois. Fait que quand j'étais arrivé là, moi, il avait dit ça. Fait que là, j'ai enlevé mon casque, pareil, comme si j'avais 200 combats. Là, on dirait qu'il avait fait ça toute ma vie. Ça a parti. Puis ça a super bien été, là, justement. Il m'avait surnommé le docteur à partir de là, dans mon camp. Là, J'avais mis KO, je pense, les 4 ou 5 premiers adversaires que j'avais poignés sur la glace. Là, fait que, j'avais pas été étiqueté comme dur, un tough ou un dur à cuire ou un goût, comme vous voulez. Mais avant ça, j'étais un papier joueur de hockey, mais c'est ça. Là, des fois, on dirait qu'il y en a qui... Ah ouais. Hop, ça va couper. Avoir un chiffre régulier dans l'Union nord-américaine aussi. Fait que, tu vois, ça l'a coupé. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, bon, c'est correct. On a un peu compris. Justement, tu parles que t'es quand même bon joueur de hockey. T'es pratiquement, dans tes deux dernières saisons, un point par match là, dans Ligue Junior 3A. Puis également, tu as quand même connu deux saisons de. Même une saison de 20 points dans la Ligue nord-américaine, des saisons là, de plus de 10 points. Fait que c'est sûr que t'es un des rares, si on veut, qui est capable de jouer son shift en plus de Washington de temps en temps. Ben oui, je pense que je suis capable d'apporter un petit peu dans toutes les façades. Puis je pense que je peux encore mieux jouer mon rôle quand que tu me donnes un petit peu de bonbon puis tu me mets ça à la glace. Là. Je pense que je peux déranger puis je peux faire serrer les fesses à une couple de gars sur l'autre bord puis une couple de gars qui perdent du lait puis mon équipe, eux autres, il y en a une couple qui en prennent zips aussi. Tandis que quand t'embarques puis tu vas juste te poigner, tu fais deux chiffres ou trois chiffres par période, ben c'est dur d'aller faire une grosse mise en échec ou de déranger les bons joueurs, puis les mettre ses talons, puis les faire en sorte qu'ils pensent à toi et qu'ils s'occupent plus de leur game. Puis comme ça, tu peux déranger un petit peu plus. Mais là, ça dépend tout le temps de comment ton coach il voit comment tu t'utilises. C'est sûr que, et je me souviens, on a vu les games, moi, puis le petit Breton, là, le 81, là, qui est en face de moi, justement, tu sais. C'était bien beau des fois vouloir tout changer et pouvoir apporter ta game, mais tu sais, quand tu fais deux chiffres par période, t'embarques, t'as le bâton serré, t'as pas que tu veux même pas l'avoir. Tandis que quand le coach te fait confiance et t'embarques sur la glace, mais là, t'es capable de montrer toutes tes qualités de joueur de hockey et plus giliste. C'est plus facile un peu comme quand le coach te fait confiance. Fait que c'est pour ça, des fois, là, j'ai eu des bonnes saisons dans la Ligue nord-américaine. Hein. Ça dépend un peu de ton utilité aussi. Là. Des fois, ça te prend. Quand quelqu'un te fait confiance, c'est tout le temps plus facile de jouer au hockey. C'est comme ça. Je voulais juste poser la question. Là. Tu disais que tu étais un fan de la Ligue nord-américaine. Puis, suite à tes années juniors, tu as commencé tout de suite avec Saint-Georges. Dans le fond, je voulais savoir ton arrivée là, dans la Ligue, comment que ça s'est passé. As-tu eu des appels? Pendant l'été, essayer le camp ou. Tu savais déjà que tu voulais venir jouer dans la Ligue nord-américaine un peu. C'est toi qui les as appelés. Je m'en viens. Je pensais que j'allais être repêché, moi. Puis j'avais été un peu insulté que j'avais pas été repêché à Saint-Georges nulle part. Mais là, j'avais eu mon invitation. C'était Carl Boucher qui était là. Fait qu'il m'avait invité au camp. Puis. Mais c'est ça. Mais là, je me souviens, je m'avais pogné avec Paul Chance dans le camp. Puis, je t'avais montré que j'étais capable de rouler ma bosse et que j'avais pas peur de personne. Hein. Fait que, la première année, j'avais pas joué beaucoup. J'avais eu une séparation de mon acromio claviculaire, grade 3. J'avais eu un temps, puis ça m'avait pas pris. Fait que j'avais joué, je pense, 5-6 games. Puis, il m'avait même pas mis dans la liste des playoffs pour les playoffs. Sinon, j'aurais gagné la coupe deux fois, pas juste une. Ouais, c'est vrai, c'est l'année que Saint-Georges avait gagné. Ça fait partie de mon histoire d'autre. Puis, ça fait quoi quand tu es rendu dans la Ligue américaine, justement, d'affronter les joueurs que tu regardais quand, justement, tu avais ta slush au centre de la Croix-du-Tille, puis de. C'est quoi le feeling la première fois qu'on lâche les gants contre un Joël Thériault ou n'importe qui d'autre qu'il y avait?
ça, tu sais, je vais pas vous faire de menterie, là, quand je jouais contre Joël, ça me prenait au moins un six pack pour bien dormir, là. Ça me prenait au moins un petit six pack de bière pour être capable de bien dormir, parce que c'était tout le temps de quoi c'était spécial, tu sais, Joël, c'est une légende, c'est l'animal, puis autant que Joël, à l'extérieur de la glace, c'est un Jack Lemmon, mais quand t'embarques sur la glace avec, ben, il réussit à te shaker un peu, là, tu dis « Oh, ben là, il est prêt! » Fait que... moi, j'ai été chanceux contre Joël. Ça, mes combats contre Joël, ça a bien, bien été. C'est peut-être même un des plus beaux trophées que j'aurais. Ce serait peut-être même mes combats contre Joël. J'ai eu des belles performances contre lui. Puis ça, pour moi, c'est une page de mon histoire qui est incroyable. Que je vais me rappeler ma vie. Même que Joël, des fois, là, il m'en parle encore. Des fois, il y a ça, nous autres, c'est vraiment un bon gars. Ça, comme je te dis, c'est des highlights de ma carrière dans les Nord-Américaines. T'sais, tout le monde a scoré un but dans les Nord-Américaines, mais quelqu'un qui a collé une volée à Joël, ben, qui a passé les deux yeux. Fait que, je sais pas, il n'a pas eu des tonnes qui ont fait ça. Fait que, t'sais, pour ça, j'en suis très fier. Là, fait que, une question, j'imagine, que bien des fans se posent. C'est qui, pour toi, le disons, de tous les hommes que tu as affrontés, c'est qui celui qui t'a donné le plus de fil à retordre, de peut-être ta bête noire ou celle-là que ça disons, ça allait jamais bien ou que... Ou la rivalité. Je dirais pas, mettons, que ça a pas bien été, parce que j'ai eu des combats que ça l'a penché sur mon côté, que je considère que j'ai gagné, mais un des gars que je respecte beaucoup, que j'ai joué avec aussi, c'est Big House, le gros Belmore, là. Je pense que c'est un des gars qui m'a tapé le plus fort dans la face. Tu sais, c'est rare que, d'habitude, je suis capable de prendre une shot, puis j'ai pas mal, d'habitude, là, tu sais, puis je n'ai eu des faces à poker, puis j'ai tout le temps dit, ouais, ça fait pas mal, c'est pas grave, ça, on y retourne, puis... Mais le gros Belmore, je me souviens, une couple de fois, il l'aurait pogné dans la face, là, puis, oh boy, ça avait été raide pendant une couple de jours. Mais je pense que lui, tout, il peut me remettre cette qualité-là. Moi aussi, j'ai tapé sa gueule assez solide, mais je te dirais que Belmore, c'est un des gars qui m'a tapé le plus solide sa gueule. Et sinon, aurais-tu un petit mot pour la... Il y en a moins qu'il y en avait, mais quand je pense à la relève de la Ligue, ton premier combat avec les Marquis en fin de semaine, tu as affronté André Thibault. Puis je pense que dans ceux qui arrivent dans la Ligue, c'est un des ceux qui peut-être qui s'adapte le plus rapidement, parce qu'il a quand même eu... Il a quand même été contre Belmore cette année. Là, il est allé contre toi. Puis tu sais, il a mangé... Il en a passé deux très bonnes au début du combat, puis il est resté là, puis il a pas reculé, puis il est retourné. Comment est-ce que tu l'as trouvé, André Thibault? Ben, moi, je pense que tu n'es pas généreux. Deux, là, tu peux au moins te rendre à quatre ou cinq, là, parce que tu l'as pincé solide. Ben, deux, il a tombé, mais après ça, avant qu'il tombe. Puis qu'il... Non, ben, tu sais, moi, comme je dis tout le temps à tout le monde, tu sais, tout le monde qui fait ce métier-là, ou tout le monde qui est capable de lâcher les gants, ça te prend quelque chose, ça te prend une qualité première, c'est parce que sinon, ça serait tout le monde, ça serait plus facile de commenter ces réseaux sociaux. Là. Mais d'aller se battre, ça c'est pas une partie facile. Puis je lève mon chapeau à tout le monde qui fait ça. Tout le monde qui fait ça, il y a quelque chose à montrer. Puis ça prend une qualité spéciale pour faire ça. Puis je pense que Thibault, il est quand même solide, là, parce que pas tout le monde qui serait relevé pour continuer le combat. Puis, mais oui, c'est ça. Puis c'est... Pour être bon, pour faire ça, faut que tu aimes ça, se battre. Puis si tu n'aimes pas ça, te battre, tu ne seras jamais bon dans ça. Fait que ça prend la passion et la flamme. Fait que je pense qu'il y a ce qu'il faut pour avoir un bon avenir. Okay. Puis pour la boxe, est-ce que c'est le hockey qui t'a amené à la boxe, ou tu faisais déjà de la boxe puis que ça t'a amené au hockey? Non, je te dirais qu'en 2009-10, là, que j'avais vraiment l'entraînement de boxe l'été. Un an et demi de temps, quasiment. Puis je te cacherai pas que je faisais une coupe de pièces avec ça. Fait que ça me tenait en forme pour ma saison de hockey, parce que la boxe, c'est rien qui me met plus en forme que ça. C'est l'entraînement le plus dur au monde. Fait que c'est sûr que ça m'apportait beaucoup
pour ma game shape, là, puis je suis en forme, puis être capable de lancer des coups de poing. Ouais, tu le vois, il y a plusieurs styles de bagarreurs, mais je pense que mes coups, moi, quand ça sort, mais je lance pas des pile au punch, puis j'ai un style différent. Là, tu vois, je suis capable de me tenir sur mes patins, j'ai des bonnes frappes, fait que ça vient un peu de la boxe, là, si j'ai pratiqué des coups, lancer des coups de telle manière, puis fait que je pense que la boxe, ça m'a apporté beaucoup la personne que je suis maintenant aujourd'hui. Là. Mais au début, j'ai commencé à faire ça comme à la saison morte. Je faisais comme 2 ou 3 combats l'été. Ça me faisait une couple de piastres pour mon été, puis ça me permettait de me tenir en forme tout l'été aussi. Là. Fait que quand je revenais à la saison de hockey, ben, j'étais prêt que ça commence. C'est quoi la différence entre un combat sur la glace et un combat de boxe? Ben, je te dirais qu'un combat sur la glace, il y a tout un moyen de t'en sortir. Tu sais, que si tu te fais pincer solide, ben, tu peux aller t'accrocher. Puis holder, puis là, à coup que tu as holdé, ben, maintenant les arbitres ils vont venir t'aider, ils vont te donner une chance. Tandis qu'à la boxe, même si ça va mal, tu peux t'accrocher, ben, l'arbitre il va arriver, il va te séparer, puis il va te dire ben, let's go, ça repart. C'est... Il y a moyen de mettre un terme à un combat, mettons, sur la glace, puis de t'en sortir pour même si tu ne vas pas sacrer une volée à l'autre, tu peux te défendre, t'as moyen d'agripper le gilet ou locker le bras ou t'en sortir un peu plus facilement qu'à la boxe. À la boxe, tant qu'il y a du temps, ben t'es dans la jungle, puis il faut que tu lèves tes mains. C'est la seule fois que tu as à peur. Mm-hmm. Tu te turnes pro à la boxe à quelle année? C'est quand même récent, là. J'ai tombé en... Ça fait 4 ans, là, je te dirais. 4 ou 5 ans. Puis là, il y a eu le COVID. Là, fait que ça l'a joué un petit peu contre moi. Fait qu'en ayant... Il n'y avait pas beaucoup de combats. Puis là, tu sais, moi, j'étais pas le... J'étais pas, mettons, l'étoile montante de OTM, ETTM. Donc, quand il fait des galas, puis il n'y en a pas beaucoup, ben il fait boxer plus les gars qui veulent monter. Je n'étais pas tout le temps considéré là-dedans. Fait que j'ai pas eu collé beaucoup de combats, là, mais la boxe professionnelle, c'est pas fini non plus. Là. Ça a fini tellement sur une mauvaise note que c'est sûr, moi je vais remonter dans le ring, c'est certain. Là j'ai eu beaucoup de blessures qui ont survenu dernièrement aussi. Fait que là, il fallait que je fasse un choix, soit je boxais le 18 mars, où je revenais au hockey, puis là, j'ai opté pour revenir au hockey parce que mon chum Kevin Veilleux, c'est un de mes meilleurs amis d'enfance, puis il me disait, on a des chances de gagner la coupe cette année, viens jouer avec les Marquis. Fait que là, j'étais rendu, oh, si je ne vais pas là, je n'aurai pas mes games pour jouer dans les playoffs. Fait que là, je me suis botté le cul, puis ça me chicote. J'étais parti en vacances, là, dernièrement, j'arrive du sud, puis là, dans le sud, je me suis dit, OK, là. J'ai besoin d'un petit peu de mon petit adrénaline dans le tapis. Là. J'ai besoin de ça un peu. Là. Je vais retourner au hockey un peu. Là. Il me semble que ça me chicotait. Fait que j'ai décidé de venir. Oups, ça l'a... Pour aller lever la coupe. Là, on joue tout le temps pour gagner. Moi, je fais jamais rien pour perdre dans la vie. Fait que je suis revenu au hockey. Fait que je m'en vais là pour lever la coupe. C'est le but ultime. Fait que... J'arrive juste pour le beau du hockey, le vrai hockey. Ouais. Ça commence dans le sprint de l'action puis les séries. T'as déjà connu ça, les séries à Jonquière, parce que quand t'as gagné la coupe, c'était à Jonquière. Raconte-nous donc, c'est quoi un peu l'ambiance des séries au Palais des Sports, puis jouer en playoff au Palais des Sports. C'est quoi tes souvenirs de ça, puis c'est quoi le feeling? Ben, c'est sûr que tu sais, jouer au Palais des Sports, je pense qu'on... À Jonquière, on a une super foule. Là, à Jonquière, ben, j'ai l'impression que le monde des estrades sont là et ils donnent de l'énergie. Là, moi. Mm-hmm. Moi, je carbure à ça. Là. Quand le monde crée mon nom pour l'un, ben, je vais être capable de soulever une montagne. Je veux dire, je vais mettre mes couilles sur la table, puis me mettre mes bas de travail, puis je vais aller faire ce qu'il faut. Là, c'est le fun. Là, quand t'as de l'ambiance, t'es reconnu un peu partout, que tout le monde te parle. Après, quand j'ai sorti du match, tout le monde est venu me voir, tout le monde a pris des photos, hein, tout le monde était... on est content qu'ils soient revenus, Poulain. Puis, t'aurais vu le nombre de messages que je recevais si je revenais jouer au hockey cette année. Là, c'était quasiment tannant. Là, fait que, là, j'ai dit, je vais revenir, je ne me ferai plus achaler au moins. Fait que,
On recevait des messages aussi au podcast. Comment t'as dit ça, excuse? Au podcast aussi, ouais. On se le faisait demander. Il banque plein, il revient quand? Il revient quand? Ah, ben c'est ça. Moi aussi, ça a popé souvent sur mon téléphone. Là, fait que là, j'ai réglé ce dossier-là. Fait que là, le monde y avait peur au début. Je pense que je me batte pas, que je pouvais pas me battre. Là, mais tu sais, moi, je sais ce que je peux apporter d'une équipe. Puis tu sais, tant qu'à venir, je serai jamais là pour mes beaux yeux. Là. J'ai une job à faire. Puis si je serais pas capable de la faire, je serais pas venu jouer au hockey. Tu en as parlé un peu de ton dernier combat qui a moins bien été. C'était le 27 octobre, si je me trompe pas. Par la suite, tu as décidé de prendre une pause, probablement pour te reposer un petit peu. Mais là, je pense que tu es en forme là, depuis un petit bout. Tu as fait ton retour, mais tu parles que tu n'étais peut-être pas sûr d'en venir au hockey. Qu'est-ce qui s'est passé un peu après, justement, le cheminement que tu as fait là, pour décider, là, j'y vais? C'est vraiment pour la santé? Ben, je te fais pas de mentir que, mettons, mes proches autour de moi, ils ont pas aimé ça de voir les images. Je sais pas si t'as vu les images. Ouais, c'est sûr. J'ai jamais fait de geler de toute ma vie. J'ai quand même plusieurs combats en arrière de la cravate. Là. Ça m'était jamais arrivé de vivre ça. Là. J'avais fait vivre une couple d'autres, mais moi, ça m'était pas arrivé personnellement. Donc, c'est dur pour l'orgueil, mais tu sais, je me suis demandé pourquoi ça s'était arrivé. Tu sais, je t'explique un peu, tu sais, quand tu boxes pro, tu fais tout le temps des déshydrates de poids. Puis la semaine du combat, ben, tu sais, j'ai eu beaucoup d'étourdissements. Puis je me faisais accroire que c'était à cause de mon cut weight, mais c'était pas à cause de mon cut weight. Dans le fond, j'ai des problèmes de cou depuis longtemps, depuis X temps. Puis là, mon cou, il allait pas bien, là, il allait vraiment pas bien depuis un bout. Puis, tu sais, maintenant que t'es rendu là, puis tu vas te battre, je suis pas du genre à baquer. Fait que, tu sais, je pense que mon problème de cou, ça m'a amené à ça. T'sais, oui, je me suis fait pincer sa pine, mais je pense que c'est mon cou qui était problématique. Puis là, j'avais comme le cou barré après ça. Puis là, tu sais, mon cou est revenu. Là, j'ai ma mobilité puis tout, mais tu sais, j'ai de la douleur, je te dirais, 24 heures sur 24. Ça me réveille la nuit puis tout. Mais j'étais pas prêt à me dire mon corps, il est fini ou ben je suis pas fini. J'ai 34 ans, là, puis... Ici, justement, je forme des boxeurs, fait que je peux me tester, moi, tout. Là. J'en ai des 250 livres, j'en ai des poids lourds aussi. J'ai recommencé à mettre les gants avec eux autres, puis je me suis rendu compte que mon corps, moi, comment il fonctionne, dans le fond, c'est que mon corps, je fais de l'arthrose, fait que mon corps, c'est comme s'il venait tout crispé puis pogné d'un mouton. Mais quand je suis dans l'action, puis mon corps, il est chaud, ben il fonctionne super bien. Fait que j'avais moins de douleur les journées que je venais mettre les gants, puis on se tapait sa gueule avec les gars de 250 livres et plus. Là. Je filais mieux ces journées-là, puis ces soirs-là que je mettais les gants. Fait que je me suis dit, bon, ben, je suis pas fini, là. Je suis encore capable. Fait que je vais mordre fort dans mon mode piste, puis on va y retourner. Le prochain combat, si j'ai compris, j'imagine que ça devrait être prévu. Est-ce que tu comptes te battre au gala en Beauce le 26 mai? Ou... Non, ça c'est juste amateur. Là. C'est juste des boxeurs. T'es protégé. L'organise, puis c'est comme l'année passée, j'avais comme 14 combats, puis j'étais dans le coin pour 12 combats. Fait que tu sais, la bois pas bien belle cette soirée-là. Moi, je suis dans mon bureau dans le coin, puis... Je suis là où je veux être. Puis là, c'est pas mon soir, c'est mes boxeurs qui brillent. Moi, j'avais un offre pour me battre le 18 mars, mais là, c'est ça. J'ai reporté ça parce que je m'avais cassé la main à l'entraînement aussi. Là. Tu sais, j'ai revenu un petit peu vite. Ma main, là, t'étais pas à 100% encore. Là. Puis, Fait que c'est ça. Là, on a des petits bobos, mais on met ça dans la glace. Puis on va pas faire trop de sacs, là. On va dire, on va prendre ça mollo jusqu'à samedi. Ouais. Samedi, on va être capable de donner une petite danse devant ma famille et mes chums parce que il va y avoir du monde au centre de la Croix-du-Sil, c'est certain, samedi. Déjà, tout le monde me dit qu'elle est là à l'arena. Ouais, ça risque d'être un gros match. Je vais m'assurer pour apporter ma A-game. Ouais, ça risque d'être un gros match contre Saint-Georges samedi à Saint-Georges. J'imagine il doit avoir une motivation supplémentaire de jouer contre Saint-Georges, c'est sûr et certain. Ben oui, tu sais, moi, comme j'ai déjà dit auparavant, là, moi c'est chez nous, c'est ma ville, ici tout le monde me connaît, c'est pareil comme,
qui, les gars de Montréal, quand ils sortent à Montréal, ils sont connus. Ben moi, ici, tout le monde me connaît. Il n'y a pas personne qui ne sait pas c'est qui Bombay. Fait que je l'entends parler à tous les jours du hockey, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est sûr que je vais donner l'extra contre eux autres. Puis moi, je me suis fait échanger de la place chez nous, pas une fois, deux fois, sacrément. Fait que c'est sûr que je l'ai sur le cœur un peu. Là, fait que c'est sûr que quand on joue contre eux autres, c'est personnel. C'est pas juste l'hockey. C'est un... Il y a le cœur qui. Il y a un petit peu de cœur là-dedans. Fait que c'est sûr que je m'en vais là pour les battre. Là. Peut-être en terminant, est-ce que tu pourrais faire un petit message là, aux partisans qui nous écoutent justement pour cette game-là à Saint-Georges, peut-être aussi le gala au mois de mai? Yes, ben je vous invite tous en grand nombre samedi au Centre de la Croix-du-Tille. Les Marquis de Jonquière vont venir battre le coup l'effet. Fait que manquez pas ça. Les matchs importants, on a besoin de nous autres, même si on va être visiteurs samedi, ben je sais qu'il va y avoir bien du monde sur mon bord, fait que je vais avoir l'impression d'être à la maison encore. All right. Mon gala de boxe, c'est ça, vous allez être les bienvenus. Il va y avoir beaucoup de publicité là, qui va sortir éventuellement avec les posters puis les billets en vente et tout. Là. Juste à suivre les réseaux sociaux, vous allez voir ça passer prochainement. Parfait. Mais avant de terminer, je vais quand même faire mon petit questionnaire. On va en prendre plus sur Hubert Poulin. J'ai un petit questionnaire pour finir. Des questions rapides. Là. Fait que tu fais juste dire les premiers trucs qui te viennent en tête. Là. Des questions un peu personnelles, des questions de hockey aussi. Fait que ça va pour commencer. Ton premier souvenir de hockey, c'est quoi? Donc, mettons, la première fois que tu as mis le patin ou la première fois que tu te souviens d'avoir touché à une glace, c'est quoi? Je te dirais avec mon père. C'est mon père qui m'a fait connaître le hockey. Merci, Serge. Ton numéro 91, pourquoi tu portes le numéro 91? Je te dirais Joe Sakic dans le temps. Il fait le 91 quand il jouait, mettons, Team Canada. Ouais. Avec Shannon, je pense, qui portait son numéro, mais en tout cas, moi j'étais 19 quand j'étais petit cul, puis là, à un moment donné, il y en avait un qui avait plus de skills que moi, puis il y avait le 19, fait que j'ai viré ça pour le temps. Ton idole au hockey, c'était-tu Joe Sakic ou t'en avais d'autres? Ben oui, mettons, quand j'ai commencé, puis j'étais petit cul, là, ça a été vraiment Joe Sakic qui est mon idole, je te dirais. Ton athlète préféré en dehors du hockey? En dehors du hockey, je te dirais, j'aime beaucoup Canelo Alvarez. Je m'attendais à un boxeur. Ouais. Good. As-tu une routine d'avant-match au hockey? Oui, j'en avais. J'ai tout le temps eu ma routine, mais là, j'ai tellement été malade avec ça là, que j'essaie de me dire que. Ça marche plus. Là, à l'âge que j'ai, là, c'est moi qui décide qu'est-ce qui se passe dans le futur. Fait que peu importe que je mette ma patte droite ou ma patte gauche, c'est sûr, je m'habille encore pareil de la même façon tout le temps, mais je suis moins malade dans la tête de me dire qu'il faut que je mange le même repas puis à la même heure. T'sais. J'ai déjà été tout le temps setupé de même. Puis quand il arrive de quoi que tu peux pas le faire, mais je pense que ça me sortait un petit peu de ça. Fait que là, je l'ai coupé un peu de la routine. J'ai déjà été malade dans la tête un peu là-dessus, mais là, je le suis moyen, mettons. Je fais mes affaires comme il faut. Tu sais, je mange bien, mal au pied, puis j'ai ma petite routine, mais moins comme avant. Là. Je te dirais, mettons, dans le temps du junior, puis midget 3, puis dans le 2A, là, c'était tout le temps pareil, puis j'avais ça avant, mais là, à cette heure, j'ai mis ça de côté un peu. J'essaye. La maturité. Oui. Là, c'est sûr que tu viens juste de revenir dans le vestiaire des Marquis, mais c'est qui, selon toi, le coéquipier le plus drôle à Jonquière? Le plus drôle? Ben moi, mon chum Bayeux, je le trouve bien drôle, mais notre capitaine, il est comique aussi, mais on a une couple de clowns, là, j'aime ça. J'aime ça avoir du fun. On a un beau vestiaire, je te dirais. Fait, puis le meilleur joueur avec qui tu as joué dans ta carrière, selon toi? Ben, j'ai joué avec beaucoup de bons joueurs. Je te dirais peut-être Christopher Letang. Avec Valdor? Quand même. Ouais, avec Valdor. Québec, Québec avec Marchessault aussi. Ouais, c'est quand même tough à battre. Un des meilleurs defs des 15 dernières années.
Ouais, c'est sûr que c'est ça. Christopher, là-dedans, c'est un beau. C'est un bel idole. Là. Il jouait avec ses bâtons en plus. Il avait mon même pattern. Ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine? Oui, ben, c'est ça. C'est lever la coupe, puis mon combat, mes combats avec Thériault, je te dirais, le mec Joël. Là. T'as-tu une toune que t'écoutes, dans le fond, ce serait quoi la toune que t'écouterais avant un match pour te mettre dedans, là? Excuse-moi, ça a coupé. Ah, pas trop. La toune que t'écouterais avant un match pour te mettre dedans, là. La toune que t'as hypé, t'as-tu une toune préférée si t'écoutes de la musique avant un match? Je te dirais, ouh là là là, Roxane Bruno. Moi, je suis rendu avec deux petites filles, fait que ça au tout, là, ça change. Là, j'écoute plus de la musique pour me primer, j'écoute de la musique pour me relaxer. J'ai compris, je Calmer, ouais. relaxe. Ton repas préféré? La fondue. Ton La film viande des bois, là, tu sais, préféré? de l'animal, du chevreuil. Ouais. La lumière, ouais. Ton film préféré ou série télé? Mon film préféré. Depuis que j'ai des enfants, j'écoute juste des comics, mais à cette heure, ils sont bons, les comics, pour vrai. Non, je ne sais pas. J'écoute une télésérie que j'aime bien, j'écoute Enrôlé dans ce temps-là. Oui, puis si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait lequel? Ben, mon chum Jonathan Roy, j'aime bien ça. La musique, encourager les boys à main. Good. Ben, merci pour le petit questionnaire. Merci Ouais. de t'être prêté au jeu. Merci d'être venu sur le podcast. C'est le fun. On a appris sur ton club de boxe, puis sur dans le fond ta carrière au hockey, puis ton parcours. Puis je te souhaite beaucoup de succès avec les Marquis. Je nous On va te souhaiterais souhaiter peut-être bonne fin de saison. ouais, bonne fin de saison. Puis en tant que fan, je pense que ça serait quand même le fun, une petite série Jonquière Saint-Georges ce printemps. On va être prêt à ça. Ouais. Ça va être moins loin, faire la route. 5 minutes en bas de la côte, c'est le fun. C'est Ouais. Aller bon. jouer sa route à 5 minutes de chez vous. Ça pourrait être bien. Good. Ouais, merci, Ça merci, Bombay. fait plaisir, les boys. Ciao, Ciao. là. Bonne petite soirée. Bye-bye. Merci. Salut tout le monde. Donc, j'espère que cette entrevue de Hubert Poulin vous a plu. Je pense que Dave revient faire un petit tour aussi. Donc, On va dire Dave, bye, on va dire bye au monde. le tour, ah, c'est ça. Merci à tous ceux qui ont écouté ce soir toute la soirée, qui ont resté pour l'entrevue à Hubert Poulin. Yes. Ouais, une bonne gang ce soir, pour vrai. Je ne sais pas si c'est. Si c'est à cause des marquis ou particulièrement les joueurs, mais la foule du Palais des Sports a suivi dans le podcast Ouais. cette semaine. merci à Hubert Poulin là, pour pour la pré-entrevue. Quand même, user de son temps là, un lundi soir au gym de boxe pour pouvoir enregistrer un petit podcast. Puis Christian Ouellet, une bonne entrevue là, de 1 heure et demie. Un joueur qui a de la jasette, qui a de l'entregent. Puis très intéressant encore une fois les parcours des joueurs. J'ai vu quelques questions un petit peu dans le chat là, à propos de la soirée de boxe. Là. Je pense que la vente des billets n'a pas commencé encore. Là. C'est au Oui, mois de tu mai. peux annoncer ça en temps et lieu. Ouais, ça temps et lieu. je sais pas s'il y avait un d'autres. J'avais vu ça. Passer comme question. Sinon, c'est si elle allait être à Saint-Georges pour la partie, parce qu'il avait dit qu'elle allait être là. Vous avez les réponses à vos questions. Yep. Donc, une bonne fin de semaine à vous de hockey là, qui s'en vient. Il n'en reste pas beaucoup, le sprint final avant les séries éliminatoires. Donc, en vous remerciant encore une fois, faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.